Amis auditeurs, amis téléspectateurs qui branchent réseau Radio Télé-Guinée, quel que soit côté en dans pays, et coup l'autre bord de l'eau, nous très contents de avoir dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est rêver à briller chaque jour pour nous bâtir le pays. Nous essayons tout le temps, excepté le son que les ancêtres de nos bâtisseurs, mettre pays à papa, pays à grand-papa, te banon, avec toutes les recommandations que vous avez fait, nous, le plus souvent, nous agissons, j'en ouvre, en jeune, mais nous quittons l'expérience, nous quittons tout ça que nous avons dit, même j'en suis arrivé, sorti depuis là, dans le gros pays, passé par toute la cour, passé par toute société, passé par ça, l'église nous dit nous faire, l'école nous dit nous faire. Donc je dis à nous-mêmes, nous avons pris l'occasion ça pour nous poser tête nos questions, qui ça nous a quitté? Pour génération qui a venu, qui ça ou même, yo gen a dit de nous-mêmes, comment y a pour nous, et nous-mêmes tout, on essaye de garder nous dans la glace, Bâti Haïti. On pas besoin sénateur, député, azek, kazek, voire président pour bâtir pays. Tout le monde important et tout le monde la donne. Non pas monsieur Jean-Lucien Bourges. Avec moi dans l'édition ça, Bâti Haïti ça, nous gen avec nous, pasteur Jean Chavanne Jeune. Qui c'est recteur Université Lumière et en même temps candidat à la présidence, alors on dit ancien, au Parti Canaan. Et professeur, pasteur, nous sommes bienvenus. Merci. Donc c'est l'occasion pour nous saluer tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Réseau Télé-Guinée, la Côte-Orier, la Caillou. Donc, que ce soit ici en Haïti ou bien à l'étranger, donc nous sommes bien contents pour nous avec vous et pour nous participer dans l'émission Bâti Haïti et nous remercier PDG à Réseau qui t'a invité nous et nous saluer notre collègue, notre grand frère, donc Sauveur Pierre-Étienne, donc qui l'a, qui a participé ensemble avec nous dans l'émission. Merci, pasteur Chavanne Jeune et professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui est là avec nous et qui prend bon temps de gagner cher dans l'Université populaire, ça, qui s'est bâti à Haïti. Professeur, bienvenue avec nous. Bonsoir, PDG Borges. Et m'a salué, eh bien, collègue moi, ancien candidat à la présidence même avec moi. Pasteur Jean-Chavanne Jeune, et n'a pas salué auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Télé-Guinée. Et c'est avec un réel plaisir qu'on répond à l'invitation. Je suis tellement content, je ne vais pas même présenter le coordonnateur de l'OPL. Donc, professeur, mais nous, je ne vous dis encore, et si nous allons aller, nous allons garder côté pays, nous allons aller, je dis à. Non seulement content et en même temps m'inviter auditeurs tout à apprendre de deux invités ça qui c'est deux mondes d'expérience et qui en dans pays a que nous tant de voir à chaque moment bien déterminé et le pays en crise tout yo parler et en même temps tout le gain l'espoir tout yo parler et chaque monde ça yo dans discipline pa yo dans y a construit pays a y a bâti pays a et tantôt nous yo c'est valeurs que yo en dans pays a. Même le qu'on a la politique, alors même le qu'il y a fait politique, donc il y a pensé et tout, il y a dans l'université, il y a formé moun, et nous-mêmes dans Bâti Haïti, c'est Bâti Moun, on a fait un pile effort pour ne pas détruire moun, mais pour nous permettre tout le monde de donc, messieurs, Bâti Haïti, je dis, on a maintenant des réflexions, nous, de qui côté que nous est. Donc, parce qu'on a commencé avec nous-mêmes. Côté nous sortir pour nous arriver là, je veux dire.
Bon, si nous t'a référé nous, à l'histoire d'Haïti, c'est que nous sommes loin. Donc, pour nous arriver là, en passant par plusieurs générations et plusieurs siècles d'histoire, plusieurs batailles, donc, et également en pile parcours, donc, qui permettent que nous ayons émergé comme une nation indépendante à partir de 1804. Et depuis lors, nous avons travaillé pour nous bâtir une nation. Que nous n'avons jamais arrivé à bâtir une nation. Ça. Mais quand même, l'histoire nous riche en prouesses, en grands exploits qui étaient réalisés par gros nègres qui étaient passés dans la même lutte, ça, dans la même bataille ça, pour accoucher. Donc, indépendance, et bien, ils ont exemple dans la face du monde d'un pays qui sont loin et qui est capable finalement de tracer une route pour être capable de briser la chaîne d'esclavage qui est marée et pour être capable de faire un exemple dans un pays qui a émergé à partir de rêves que les ancêtres nous ont gagnés. Et que vous êtes capable d'arriver à matérialiser, naturellement avec toute contradiction qui te gagne, donc entre différentes couches de société, mais quand même, nous êtes réellement percé pour nous être capable de créer, c'est-à-dire un peuple libre et indépendant. Et à ce titre, Haïti a gagné un pile respect et à travers le monde et pour est que nous avons réalisé. Cependant, nous avons toujours un problème sur l'alliance. Si on prend l'alliance qui était bonne ou indépendance, elle n'a pas duré. Donc, elle est allée. Nous n'avons pas arrivé à conserver. Et c'est le même bagage que nous avons suivi aujourd'hui, contrat sur contrat, accord sur accord. Donc, et accord, yo, malheureusement, ils mettent sur route. Pour nous être capables de mener un pays sur un développement durable, mais nous ne pouvons jamais arriver à matérialiser le développement durable, ça, parce que toujours on lutte pour le partage du pouvoir, toujours on lutte pour nous être capables de réellement bâtir la nation hein, et accepter à c'est-à-dire passer intérêt pays, nous, intérêt nation, nous. Avant intérêt personnel, non, et lutte ça, ils continuer à traquer nous et permettre que nous pas capables de maintenir le cap et pays qui t'absurde nous, pays que nous aider à passer par même libération ça, qu'on y a fait nos babayes, donc nous t'as couru des camionnettes là et n'a toujours relé les organes. Donc dans ce sens, je crois que nous arrivons au point. Côté nation, il est en situation vraiment difficile et nous sommes capables de dire qui vient nous prendre le souci dans la situation. Ça, c'est une grande question, je vous dis. Et nous croyons que l'émission ça, bâtir Haïti, il invite nous pour nous comprendre que nos besoins continuent à bâtir, que nos besoins continuent ça. Les m'a pensé à bâtir Haïti après-midi. Moi, pour nous arriver à ça, premièrement, si je prends mon bâtiment en créole, nous avons besoin des boss. C'est-à-dire toute qualité des artisans de toute rive pour nous bâtir Haïti ça que nous rêvons. Nous avons besoin d'architectes qui pour être capables de faire conception. C'est ça, nous avons les visions, qu'on y a en vision. Nous avons un plan de 25 ans à 30 ans, côté nous voulons arriver. Donc, nous avons besoin des architectes donc, qui pour prendre un plan ça pour nous-mêmes. Et nous avons besoin des techniciens. Technocrates que vous avez réglé, donc qui vous êtes capable d'atteler à partir de plans que l'architecte a fait nous et pour nous capables de mettre nous à l'œuvre. Et finalement, nous avons besoin des ingénieurs, donc qui pour dire, implémenter le plan de l'architecte et c'est dans le cas où ça nous est aujourd'hui, côté de la joie. Il y a là, qui vient mobiliser, ça c'est un grand sujet,
et qui j'en tout le monde pour le mettre main en pâte, pétion, coup de saline, donc pour nous arriver à réalisation de rêve, émission ça, et rêve tout haïtien t'a dû gagner, donc pour nous capables d'arriver à bâtir Haïti. Et pasteur, ça m'est un petit piment d'aimé la dernière, c'est question morale. C'est moral dans mes tout ouvriers à tout niveau, à tout le monde qui habite mais là-dedans. Exactement, puisque c'est ça me relais de l'alliance qui pas kembe. Et pour kembe alliance, faut avoir un souci de moralité. Law by mot, law by signature, bagay sa yo, ou doué kembe yo, et ou pas doué violer yo. Et dans ce sens-là, on pourrait que nous fort dans violation des alliances, des accords et des contrats que nous passons pour nous capables d'arriver à bâtir Haïti ça. Alors, je vais mettre l'autre niveau, on a investi le figure net, il faut ouvrir tous les bails matériaux pour mettre dans pour brasser la construction tout pour respecter tout pour arriver à Kembel ni en sens on va dire figure. Professeur Sauveur Pierre Etienne. Nous avons des lectures, nous avons des mots, nous avons avec passion, pardon, et avec sagesse. Nous avons des pasteurs Jean-Savan Jod, ou même, qui lecture pour comment nous fait arriver là? Oui, nous sommes loin, et nous sommes en Afrique. Nous avons une question très bien. Naturellement, et contrairement à ça, l'histoire véhiculée, ce n'est pas blanc. Qui t'a cherché nous dans bourse là. Yo t'ai été sous côte et comme eh bien et royaume yo t'es en décomposition et en Afrique eh bien comme l'on prend l'on fait prisonnier ou qu'un des prisonniers a fort mal manger pour entretenir en général yo t'ai tué et comme dans moment ça tout yo t'ai fini découvrir l'Amérique en 1492 et comme en 1503 dès 1503 nous t'apprends à joindre premier continent africain yo. Eh bien, à Hispaniola, parce que bon moine dominicain, on prête, Las Casas, monsieur, eh bien, était éprouvé en pile pitié pour Indiens. Il était faible physiquement, il était très frêle. Eh bien, monsieur t'a dit qu'elle défend un raisonnement économique, utilitariste. Monsieur t'a montré que, eh bien, Noirio, de par robustesse, eh bien, il est plus rentable. Donc, il était effectivement allé chercher Noirio en Afrique, nous venons là. Et nous dit, c'est frère nous, au lieu de tuer nous, la question de guerre, de blousaille, etc., prisonniers de guerre, eh bien, ils ont tout vendu. Ils ont fait cob, nous venons là vraiment. Et les Indiens, nous avons remplacé parce que l'esclavage a fini avec eux tout. Et nous remplacer, l'expérience a duré 300 ans. 300 ans, période coloniale esclavagiste là. Et après 300 ans, nous avons accédé à l'indépendance. Nous n'avons pas prêté trop sur question ça. Mais on a une bagaille pour nous dire. Et tout ça nous est là, il existait à l'époque coloniale esclavagiste. Différence entre esclaves de jardin, esclaves d'atelier, esclaves de maison, sans compter gens et bien et colonies Saint-Domingueuse l'atelier. Eh bien, il faut difficile pour un esclave de vivre longtemps parce que c'est l'enfer. Eh bien, il était plus rentable pour les colons autour, au lieu de bas esclaves manger bien occupés. Eh bien, là ils mourent toujours qu'un autre esclave qui vient remplacer. C'est ainsi que esclaves qui sortent en Afrique, ils étaient toujours majoritaires par rapport à esclaves qui prennent naissance dans la colonie. Ils étaient relés, eh bien, et créoles, et esclaves qui sortent là-bas, ils étaient relés, bossal. Eh bien, qui s'écrivait dans le cas ça? C'est une minorité créole là, qui connaît qu'ils étaient supérieurs à bossal. C'est eux-mêmes qui parlent de pays à indépendance. Et dans le type d'alliance, pasteur Jean Tapalea, eh bien, on pourrait jouer une alliance qui fait avec certains secteurs de l'international, tout après l'indépendance, qui fait que la division qui était existée entre créole et bossal, là, eh bien, il pas exister pendant la période nationale, là, l'année pour l'indépendance, non? Parce que on pourrait arriver dans une situation côté minorité créole, ça qui est estimé l'éclairé, il pourrait relayer les gens, les Africains. Si on est africain, ça veut dire qu'ils sont en Afrique, parce que les qui fait dans la colonie, qu'on est au supérieur. Mais caractère universel, pour nous souligner, de révolution eh bien, et Saint-Domingueuse là, eh bien, c'est que quand on prend la révolution anglaise de 1689, la révolution américaine de 1776,
et qu'on prend la Révolution française de 1789, nous comptons dans oublier, c'est 100 ans après anglais, les Français ont fait la Révolution par eux. Eh bien, Révolution, ça, ils ont tout parlé dans la question du droit de l'homme. Mais le droit de l'homme, ils ont fait référence à lui-même, non? C'est les droits de l'homme blanc. Et c'est vrai qu'ils joignent des idées qui tapent véhiculées et dans la société française, là, dans la métropole. Là. Et nous ne pouvons jamais oublier l'abbé Pierre, et nous ne pouvons jamais oublier Robespierre, nous connaissons formulier, périssent les colonies plutôt que les principes. Je dis si moun sa yo, malgré couleur pour yo, si nous estimons ces petits bon Dieu, ces moun yo et tout, eh bien, l'on a parlé de droit de l'homme, droit ça concerne yo, et l'on a parlé de liberté, égalité, fraternité, yo concerne tout, et nous connaissons formulier, périssent les colonies plutôt que les principes. Eh bien, effectivement, révolution 1804 là, l'état pralba et au droit de l'homme, ça ne relève leur caractère universel. Tout le monde, nous n'avons pas besoin qu'on soit jaune, soit noir. D'ailleurs, la notion de race qui va le faire ravage pendant tout le 19e siècle, etc., pendant même le 20e siècle, avec nazisio notamment, avec nazio, eh bien, question, ça n'a pas le problème. Eh bien, nous voyons comment nous-mêmes nous résoudons. Et les couliers là, dans la science sociale, nous ne parlons pas de race encore, nous parlons de l'espèce humaine. Eh bien, c'est une contribution. Eh bien, révolution haïtienne, tout le monde, c'est monde. Mais, l'enfin réaliser belle bagaille ça yo. D'ailleurs, c'est première révolte et c'est seule révolte victorieuse d'esclaves dans toute histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, faut que nous dit le tout. Eh bien, révolution ça, faut que nous dit li, c'est révolution d'esclaves noirs parce que faut qu'on pas oublier ça non. Esclavage t'est toujours existé dans toute société. Et gen moun ki pense c'est parce qu'on noir, non, noir gen justification idéologique. Parce que côté gain blanc seulement, t'es gain esclavage. Côté gain jaune seulement, t'es gain esclavage. Côté gain noir seulement, t'es gain esclavage. Et blanc yo, faut ne pas oublier li. Espagnol yo, portugais yo. Eh bien, c'est nommé arabe yo. Yo apprennent question et réduit esclavage et réduit noir yo en esclavage. Parce que faut ne pas oublier le tout. Eh bien, arabe yo, t'es colonisé l'Espagne pendant 7 siècles, 700 ans. Eh bien, et c'est nommé arabio espagnol apprennent question esclavage et nous te fait 7 siècles tout nous même noirs africains eh bien nous te connaît ça relé esclavage et c'est arabio qui te mettait dans l'esclavage donc c'est nommé arabio blanc yo apprennent ça nous fin réaliser tout exploit ça yo et puis gon événement produit le 17 octobre 1806 yo va l'assassiner Jean-Jacques Dessalines nous pas bien temps faire toute analyse question ça mais il y a des choses qu'il faut que nous disions pour l'histoire et les gens qui sont intéressés à la question politique, science politique. En fait, Dessalines tuait tête li, même les Audi ont assassiné. Parce que c'est des choses qui sont plus graves qui arrivent à mon femme politique. Ou défendre l'intérêt, c'est des gens qui ne sont pas même qu'on soit défendre l'intérêt. Et c'est exactement ça qui arrive à Dessalines, pas de communication. Et monsieur joue un rôle dans créer conditions, mettre en place structure qui pour déboucher sur l'assassinat. Parce que les monsieur réalise la réforme agraire, li, les hommes qui quantité terre y a bay chaque colonel chaque général mais et qui sa ti soldat ou te venir eux-mêmes monsieur tape défendre africain eh bien esclave qui eux-mêmes yo pas de petit blanc yo pas de mulat les loin eh bien mulat yo mandé déchaîner pour yo prendre toute terre pour yo et les noirs dont les pères sont en Afrique n'ont-ils donc rien oui l'idylle mais système li te mettait en place là c'est lui-même qui a engendré toute question inégalité selon côté colonel ou bien ou t'es général, et selon que ton haut fonctionnaire de l'État, ou t'es gagné accès à plusieurs centaines de carreaux de terre, donc à partir de ce moment, ou joue une question dynamique qui peut le barreau, toute inégalité sociale, structure sociale qui met en place. Et là où elle a assassiné Dessalines, c'est que paysanne, paysan, malheureux, malheureuse, pas qu'on est pour qu'il raison à assassiner Dessalines. Parce que si t'es gagné communication, t'es gagné, là où fin assassiné monsieur, t'attendais des blousailles. Par des blousailles, nous avons son femme folle, défiler la folle, qui a le reste, monsieur, etc. Monsieur tape défendre cause, on sait de monde, mon yo pas même connaît, si c'est yo même, monsieur tape défendre, si c'est intérêt par eux. D'ailleurs, avec caporalisme agréable, il te vient avec là, mon cher, son nègre vive la ville ou pas de métier, mon cher, moun qui employe yo là, la prend plusieurs coups de ration dans le bout, le voir pour vous même si yo prend. Yo dit c'est vagabond, parce que moun qui paysan, c'est à la campagne, et puis c'est toute question, c'est militaire qui tape gérer question. Bon, nous fermons parenthèse là, mais ça qui intéresse la donne. C'est que depuis qu'on a assassiné Dessalines, le 17 octobre 1806, le pays a vécu en situation zoboké chien, côté chien manger chien jusqu'à ce que deux cœurs aient été. Et c'est ça qu'on fait pendant toute la première moitié du 19e siècle, pendant la deuxième moitié du 19e siècle et début 20e siècle.
Et là, l'État haïtien pas l'effondrer en 1915, eh bien, Américain, quand on a constaté une montée en puissance qui t'a pris dans le même niveau avec l'État européen yo, et dépassé tout, eh bien, lui-même, formule Monroe, l'Amérique aux Américains, il t'a pris appliquer lui, effectivement, rêve ça, t'a vu matérialiser, il t'a vu cristalliser. Et nous rentrons dans la situation, ça, même après 19 ans d'occupation américaine, 1915-1934, les Américains pour même aller, déjà sous Vincent, nous retournons dans la même pratique. Nous. Côté, nous ne pouvons pas créer les propriétés privées, bien privées, bien publiques, etc. Pillage, qu'est-ce l'État? Nous rentrons dans toute question, ça, au dictature des Duvaliers, jusqu'à ce que, eh bien, en 1986, crise de l'État sur fond de crise sociétale, la côté Jean-Claude Duvalier allait. Et l'État, avec tout régime militaire autoritaire, parce que militaire, eh bien, sport, favori, c'est une question de coup d'État, tentative de coup d'État. Il a démantelé tout appareil répressif de l'État, notamment sous général Prosper Avril, qui va écraser toute unité d'élite. Nous, bataille en tactique caserne des Salines, qui yo dit c'est ça qui était bien supérieur à toute l'autre dans les Caraïbes, là, corps des léopards, etc. Toute unité anti-guerrière, il va écraser dans la bataille pour pouvoir. Et finalement, avec coup d'État, colonel Prosper Avril va le faire comme général Nafi, qui va de soldats qui ont marré officiel là avec la guerre devant quartier général, quand on joint général, colonel, cap salué sergent et boué, etc. Des fois, parler de l'armée, qui dit armée, dit hiérarchie, chaîne de commandement, discipline. Eh bien, depuis officier, salué soldat, donc pas de hiérarchie, pas de l'armée. Et puis, avec question de drogue là, qui devine gangrener l'armée, même les Américains te reconnaître que si on passe son l'ordre, eh bien, et si on dit que de drogue passer l'ordre là tout, les militaires étaient plus prêts pour prendre exécuter l'ordre dealer de drogue. À partir de ce moment, il n'y a pas besoin de l'armée encore. Il n'y a pas le débarrasser. Il n'y a pas le débarrasser de l'armée avec coup d'État 1991 là, effondrement de l'État en 1994. Et nous avons un deuxième effondrement encore en 2004. Et l'État haïtien tombé, effondré en deux occasions en l'espace de 10 ans. Et depuis là, nous avons cette situation d'insécurité tout, depuis l'armée a fini de graser. Bien que l'armée a été mise en sécurité avec question zinglin de tout, depuis sous Prosper Avril, nous avons événement ça, eh bien, nous sommes capables de dire que la police n'a pas de capacité pour faire la sécurité, mais ce n'est pas la police là pour nous garder. C'est l'élite politique du pays, dirigeant, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de plan, qui n'a pas de programme. Et dans une gang, goumen une contre l'autre, question chez manger chien, eh bien, nous, même en 2004, deuxième expérience nous fait côté l'État haïtien effondré, ce n'est pas seulement l'État qui est effondré, c'est le lien social là. L'élite n'a pas arrivé à prendre conscience de la situation ça. Pour yo dire, malgré tout ça qui divise nous, qui ça n'a fait ensemble pour nous arriver à récupérer la dignité, nous, recouvrir la souveraineté nous, et arriver à refonder l'État-nation. Au contraire, là, nous avons bataille. Il y a des gens qui croient ces principes que nous défendons. Mais c'est là où les gens qui ont mis contre l'IAL parlent encore, ils rendent compte, nous avons pratiqué ça, le haut toit que je m'y mette. Nous n'avons pas de problème à les gens qui étaient là, non? Nous n'avons pas de problème avec ça, nous avons un problème avec elle. Parce que nous disons que nous avons fait mieux que lui peut-être crasé, brisé, volé, déchirpillé, pillé. Eh bien, nous avons ça qui vient de nous, même sur la question ancien président et Martelly. Nous tout tapons ensemble parce que nous n'avons pas d'accord. Eh bien, avec ça, monsieur, dame, tête sans cheveux, nous avons fait. Mais depuis 7 février, l'année, jeudi, nous sommes en 9 mars, nous n'avons pas même entendre nous pour nous mettre un gouvernement campé. Nous disons, nous signons un accord, etc. pour le taler, nous faisons l'élection le 24 avril, le 14 mai, nous avons un président nouvellement élu, pour le président provisoire, à Baïtalon. Eh bien, jusqu'à présent, nous pouvons avoir un conseil électoral provisoire, nous pouvons avoir une commission de vérification, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, c'est erreur sur erreur, échec sur échec. Autant de secrétaire général de la nationale qui a écrit ministre de l'économie et des finances pour demander de débloquer 150 millions de gourdes, alors que un gouvernement démissionnaire. Même si, un gouvernement démissionnaire, ça a eu les affaires courantes de l'État, il faut le continuer à liquider. Et nous avons des bagages qui ont parlé, le premier ministre n'a pas Kazek, mais le ministre nous a écrit pour débloquer COB. Donc nous ne pouvons pas de qui ça n'a parlé. Donc nous mêlons autant de détachements, eh bien, Simo, qui peut bloquer résidence pour le premier ministre pas entrer. Et puis, au dos, c'est qu'au groupe qui a brûlé, monsieur Palais National, je ne sais pas quoi il y a femme dedans, je ne sais pas dire monsieur dame. Hein. Donc monsieur Palais National vous dit attention, prenez-nous, nous ne pouvons pas accepter des ordres, nous ne pouvons pas tolérer. Donc, les nous tendons des paroles, ça va parler, les nous tout le monde a traîné les pieds, les nous manœuvre dilatoire, eh bien, yo douce la veille faite pour qu'on s'y fait à belle. Est-ce que avant 24 mars, le président pral sorti son arrêté pour convoquer le peuple dans sa commission? Est-ce que pral gagner commission de vérification qui permet de nous connaître qui est deux candidats qui parlent dans le deuxième tour au niveau présidentiel? Est-ce que nous pral arriver à gagner
un mois pour organiser campagne, pour le 24 avril, tu as gagné l'élection, pour eh bien, le 14 mai, tu as un président qui est élu. Jean-Noué Bagayla là, il n'y a pas grand fait pays qui a parlé, pas grand fait peuple, moun gen ba inondation qui n'a grand goût. Il y a chaque petit groupe, et un petit genre, et maon et koyo là, viré koyo, pour voir comment sal nan men nan pou ta kembel net, ou bien sal pou konan men nan ta frappe sal nan men la terre pour prendre, mais pas pour prendre pour question démocratie, pour développement, mais prendre pour prendre net pour faire qui ça? Pour régler affaires personnelles. Eh bien, c'est dans sa pays aye, c'est calamité nous, c'est contre sa nap goumè, malheureusement, nous pouvons réussir, nous pouvons gagner par rien. Professeur Sauvier Etienne, ça son survol pour nous, avec un package, ou va permettre nous entrer en un pour nous pointer nos sous qui te reste là. Parce qu'on est arrivé avec nous à journée jeudi. Et nous-mêmes, donc, bah, on est parce que ça va jeune, c'est toutefois bien un mot à ajouter ou bien sur mon commentaire. Bon, je crois que c'est très édifiant et les professeurs font ramasser. Et depuis Afrique jusqu'à journée aujourd'hui, il fait là avec tellement précision et élégance que nous devons avancer maintenant sur comment bâtir. Comment bâtir. Comment bâtir, ou bien comment pour nous capables d'arriver à stopper et déraillement ça et à dérive que nous y est aujourd'hui, de manière pour nous quitter ma petite noyo. Yon lot Haïti, yon nouvel Haïti qui fait beau de vivre et que dadi côté tout le monde va comprendre que Haïti ça que nous a maltraité depuis longtemps, c'est un joyau qui est lié et que nous avons besoin mettez-nous ensemble pour nous découvrir les richesses que nous gagnons dans le pays ça, soit richesse qui dans sous-sol là ou bien richesse d'a dit l'homme même, l'homme haïtien, donc qui c'est moteur, qui t'a dit moteur construction ça, avec cerveau que nous gagnons, tout bagage intellectuel et toute sagesse populaire que nous gagnons dans le pays ça. Donc nous croyons que nous sommes capables de lever nos pirots et pour nous capables d'arriver à colmater différentes brèches ça. Et pour moi-même, et tout bagay pas coup perdu. Tout autant nous là, comme le proverbe l'a dit, tout autant tête pas coup coupée, ou pas coup désespéré, qu'on a mis. Et pour nous autres chrétiens, aller plus loin, tête bien doit couper, mais au bon espérance vivante, que au capable de continuer, l'a dit, et passer, l'a dit, à l'action, pour capable arriver à. Et plein que bon Dieu lui-même l'était gagné pour nous. Mais en attendant, c'est petit bout de pays ça que nous gagnons. Et c'est nous pour continuer la bataille. Nous n'avons pas d'adouer les bras croisés devant des rivières. Et nous avons besoin de lancer des alertes. Donc à qui veut l'entendre pour que nous disions halte là, stopper la question. Alors, qui témoin d'a dit Fonti et approche. Sous kafou journée aujourd'hui parce que l'histoire montre que nous raté en pile virage dans histoire pays nous raté virage dans 2004 là donc côté nous ta doué avec le projet de Dessalines donc pour nous être capable mettre le cap pour nous être capable bâtir un bon Haïti comme professeur Pierre Etienne dit ça. Donc, Sauveur Pierre Etienne dit que, eh bien, c'est Dessalines qui a assassiné tête. Tout le temps, on a posé question qui a assassiné l'empereur. Et c'est une question qui a toujours été indépendante, sauf que nous prenons sa histoire, nous, ben nous, pour dire nous. Donc, c'est Charlotin, Acadieux, etc., et tant d'autres. Qui t'a participé à un complot, d'a dit pour t'a assassiné Dessalines. Et nous pas qu'aux jambes rétévrées en réflexion pour nous connaître qui gens ça t'est passé. Bon, m'espérer tout auditeur, tout téléspectateur,
et bien que le professeur n'a pas développé la thèse, ça, mais son thèse, je crois qu'il est intéressant. Donc, pour un jour, eh bien, même lorsque nous avons célébré le 17 octobre, eh bien, pour thèse, ça a développé, et surtout dans le milieu universitaire, donc, de manière pour nous capables de comprendre l'histoire, que nous rentrons tête là-dedans, et que jusqu'à présent, nous avons traîné poids 50 ça, sans que nous ne pouvons pas sortir dans le carcan pour nous avoir une vraie réalité, histoire pas. En fait, c'est au besoin qu'on a histoire en Haïti. Ce n'est pas seulement des petits bouquins que nous avons, professeur de Saint-Ville, ils ont fait tout ça au capable. Donc, mais vraie histoire, nous, ils parlent en main. Nous. Donc, si vous allez dans le musée de Londres, ou capable de joindre. En France, ou capable de joindre. Mais c'est des choses précieuses parce que Blanc toujours a caché des fêtes devant une nation, qui t'a semblé pas capable, t'a forcé pour le capable quitter le pays. Donc, il y a besoin de refaire l'histoire, baoul son coquille, de manière pour tromper vigilance nous et pour fouetter orgueil nous, encore pour nous aller, jusqu'au bout et pour nous continuer à aller. Mais si nous étions, dans le virage 2004 là, nous avons ça passé, nous avons l'autre opportunité toujours. Parce que virage 2004 là, nous raté li 2015 pour le montrer. C'est-à-dire, il y a 1804, je l'ai dit pas 2004, 1804 que nous avons raté virage là. Et 1915 pour le mettre nous face au mur encore. Et que, après 35 ans, nous rattraper nous encore pour nous amorcer dans l'autre direction. Et malheureusement, nous avons perdu en 1960. Donc, avec Concordat, tout le monde, etc. Donc, la religion vient commencer à mettre quelques faux pas. C'est-à-dire, l'un après l'autre, ou bien vaudou, ou bien protestant, ou bien catholique. Bah, ça encore, c'est-à-dire, vient commencer à agiter la question. Ça a dit, pas entrer dans la politique, parce que la politique trop sale, n'est pas bon pour le monde de bien. Quitter le bavacabon, etc. Donc, et depuis là, ça a payé pour casser. Parce que tout quitter politique là, ou dit bavacabon, et nous avons ça tout avec l'élection 2011 sous président Martel. Nous avons dit, on prend trop de coups dans le monde de bien, quitter au point vacabon. Nous avons fini de prêcher dans l'église dimanche matin. Et puis, les maps sont dans le porte là, le diable, parce que nous avons dans l'élection, mais nous ne pouvons pas voter, si vous votez, nous l'église, c'est vrai, mais c'est marchand de nous, les carnavals, nous vendent. Si c'est où, ou pas bail carnaval, nous disons, ça m'y est, pas bail carnaval, etc. Non, pas bail, nous connaissons les protestants pendant le carnaval, donc, qui t'en a le prend au monde qui a bon carnaval, même plus carnaval que ça n'y a qu'on y a. Il était grand temps pour voir ça. Et où est-ce qu'on a réussi? Président Martelly, c'est non carnaval, etc. Qui est vrai, mais il a dit même dans l'Église protestante, je t'ai préféré faire route ça que route qui était capable de mener pays vers une libération économique, sociale et toute l'autre, etc. Donc c'est des virages que nous ratés. Donc on va aller plus loin, etc. Nous connais 2004, nous connais 2006, nous connais également. Et élection 2011 yo, et finalement élection que nous soutenons dans la 2015 donc qui réellement un fiasco donc nous perdu tout ça. Maintenant nous arrivons sur fin de règne du président Martelly. Nous tous connaissons que 7 février c'est-à-dire c'était date pour y aller. Et ça, il était qu'on répétait lui-même pour qu'on parle, qu'il va faire un pas de plus, donc à partir de 2015. Alors, je ne comprends pas, après tant de luttes dans la rue, opposition, il a dit, mettez le cap sur 2015 pour que 2015, il a dit, président Martelly a respecté l'échéance.
Et nous voyons que pas gagné route pas bois encore. Pour que 7 février 2015, donc les plier bagaille. Donc, je comprends le virage d'Adi Palman qui vient dire faut que tu joignes une passerelle pour être capable de faire aller après ça dans l'enregistrement. Donc, ça veut dire ça peut le mener dans 7 février 2016. Ça, c'est une tricherie qui est liée si on va considérer l'histoire, puisque ou pas de besoin. Pour le président Matéliali, c'était convenu et il n'y a pas de café autrement. Donc, comment on va dire, on va le préparer en passerelle pour y aller et puis le Parlement saisit le pouvoir. Et l'elle saisit le pouvoir, pas seulement, on a dit non, sorte de contrat ou bien de accord, on a dit qui pas même fait sens, leur quitter le pouvoir judiciaire là à côté, ou prend exécutif. Qui pralait lui-même avec les législatifs, ils font un contrat, ils font un accord. Alors que qu'on est dans la nuit du 6 février, exécutif là parlant encore, il était dans mon seul acteur. Mon seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Donc, dans ce sens-là, on venait avec un accord qui mordait. Il n'y a pas aucun pas pour le tafait. Il a dit qu'il peut t'amener nous vraiment dans une situation qui est capable de permettre que le pays avance. Puisque le mal parti, le mal formulé, le mal signé, le mal conçu, etc. Donc, et c'est ça qui mène dans la tête chargée que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il y a quoi mal parti. Et sous accord ça, donc, qui n'est pas ni juridique, ni légal, ni ceci ou tout à l'heure, ni moral. Eh bien, pour quelqu'un sous accord inédit ou bien inavoué, inavouable, qui n'a pas même écrit encore pour tromper vigilance monde, etc., pour joindre vote, etc., pour capable et ou venir tomber dans une situation côté véritable bénéficiaire accord là, eh bien, il n'est pas capable de mettre en exécution. Parce que mêle marré dans tout sens et c'est le pays qui a souffert, c'est le pays qui a perdu du temps. Et soi-disant que 14 avril, 24 avril, va gagner l'élection, mais tout le monde connaît ça. Même auteur, à quoi connaît, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mais il connaît à joindre l'autre échappatoire, c'est-à-dire pour être capable de refaire ça, on dit, on tapera le bail là, et on y a. Là, on est dans une vraie situation, ils viennent rendre compte que c'est un chemin qui vraiment, c'est-à-dire qui a vraiment pas clair. Et nous là, nous avons débattu comment pour nous sortir dans la situation côté nous est venu aujourd'hui, qui déjà commencé par montrer que nous plus marrés que j'en démarré avant 7 février. Pasteur Jean-Savane Jeune. Là, je suis capable de dire que vous devancez, professeur Sauveur-Péritienne, n'était pas quitté nous aujourd'hui. Donc, nous êtes bien loin. Alors que moi-même, ça, pendant que parlé là, alors, fond d'auditeur, que dans le bâti Haïti, nous avons gardé. Nous avons gardé côté nous sortis, nous avons gardé. Nous avons tout le monde un problème. Nous avons gardé qui côté nous vient aujourd'hui. Nous avons la presse, la radio, tout côté. Mais cependant, nous avons gardé côté nous sortis qui s'est mené nous là. Est-ce que nous avons dit, classe politique là, que nous et les classes politiques, que nous-mêmes, nous sommes capables de dire que c'est deux vétérans là-dedans. Est-ce que ce sont l'autre coup encore que la classe politique là prend? Je ne le dis encore. Bon, et alors, on a parlé de classe politique là. Il est constitué de secteurs qui sont en opposition avec ça qui est au pouvoir. C'est nous-mêmes qui formons la classe politique là. Et pour nous comprendre ce qui est passé, il faut regarder tout ce qui est passé avant. Non seulement en 2011, ce n'est pas Jean, président Martelly, qui arrive au pouvoir là, non. Pratiquement, on a dit que c'est dans chapeau ou bien dans mouchoir, communauté internationale, là, il est sorti. Mais ce qui est grave là, c'est question constitution amendée. C'est amendement qui parle de problème. Parce que l'on révise la constitution. C'est parce que la constitution ne vient pas adapter à la société qui évolue.
mais fort amendement il a amélioré constitution. Alors que constitution 87 là, il était clair sur une question. Il était dit où les vacances présidentielles, eh bien on va préférer à la Cour de cassation. Et ça c'est toute une tradition politique liée dans le pays là. Et il connaît le résultat. Eh bien, qui ça vient arriver? Yo dit si c'est sous quatrième année mandat président, eh bien, yo dit que bon, laisse ça et premier ministre là capable etc. lui-même remplacer lui et puis en attendant que élection faite. Yo vient tomber en l'autre bagage, yo dit si c'est sous dernière année mandat, c'est président l'Assemblée nationale là qui pour gérer question. On connaît nous même haïtiens nous même pouvoir. Là yo dit président Assemblée nationale là. Eh bien président Assemblée nationale qu'a choisi PDG Borge, li kap choisi tout. Pasteur jeune, li kap choisi n'importe qui moun. Mais nèg yo dou, ah, c'est nan mitan nou. Bon, comme pa gen fi, mais c'est monsieur, oui. Mais pas monsieur, dame. Yo di c'est nan mitan nou n'ap pran. Et yo di très clairement, c'est président Assemblée nationale là. Mais faut faire très attention. Ou pas sous cinquième année, ya. C'est que même constitution amendée, pas gen provision pour question ça. Pas gen provision légale, pas gen provision constitutionnelle. C'est ça que nous même dans G8 là, nous te dit, c'est deux cas de figure qui étaient possibles. Et nous t'ai choisi une là-dedans. Nous t'ai dit, c'est pour président, t'ai choisi président de la Cour de cassation. L'un dit président, c'est capable, membre de la Cour de cassation, parce que nous n'avons pas de gain à quoi, on monte là, comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'on a les trois grands pouvoirs de l'État. Ou pas qu'absolument dit, c'est pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là qui existait. Et pouvoir législatif là, t'es dans une situation difficile, parce que pas organisé rentrée parlementaire là, eh bien, au deuxième lundi de janvier 2016. Et si nous t'attions, nous t'as capable de dire, Parlement takab, rentrer parlementaire ça doit organiser jusqu'au deuxième lundi de janvier 2017. Parce qu'on pas rentrer, puisqu'on pas rentrer, président pas qu'à convoquer l'extraordinaire. Comment nous fait question? Nous fait la laïcienne, nous fait le tête en bas. Et comme nous pas référé nous à la Cour de cassation, président Matéli était qu'à faire lui, mais il pas fait. Il y a l'autre bagaille était qu'à faire encore, qu'il pas fait. Puisque c'est nous dit pour 3 mois, 90 jours, même si parfois, ou 90 jours dans l'accord là, ou 120 jours. Par contre, qui côté regarde, mais l'organe de 14 meilleurs, par côté 120 jours à sortir. C'est-à-dire, c'est une question de tricherie, c'est ça où l'on parti de poker menteur, de poker coquin. Il n'a pas roulé l'autre dans la farine, il n'a pas trompé l'autre. Qui s'accrivait dans le cas ça? Deuxième cas de figure là, président est capable de choisir premier ministre qui est en fonction. Il était capable de compromis avec parlementaire. Pour le présenter déclaration des politiques générales, il fait tout le bagage, mais parce que son processus électoral ou double à le boucler. Pas de pouvoir pour le monde venir prendre là. Mais attention, c'est en Haïti, nous y est, l'on monde président, même sous provisoire, ou pas le pension, et puis ou pas le des privilèges, tout le bagage, ça, on a tête nous toutes. Eh bien, qui s'accrivait? Eh bien, ou pas besoin ni un membre de la Cour de cassation, ce n'est pas président, ce n'est pas personne, c'est-à-dire écarté complètement, totalement le pouvoir judiciaire, et premier ministre Evans Paul, pas le problème lui-même. C'est que ce problème ça nous gagne en Haïti a fait nuance pas dit rien. Or, la politique est faite essentiellement de nuances. Eh bien, qui s'écrive dans ça? Premier ministre Evans Paul te baille contribution pour nous arriver là tout. Nous connaissons, c'est dramaturge lié, homme de théâtre, li gon Jean vous le dit bagayo et peuple a comprendre langage li. On croit que c'est ancien président Jean-Bertrand Aristide lui-même qui communiquait mieux avec le peuple, la langage populaire, toya, bagaille, dicton, proverbe. Eh bien, M. Yvon Côté lui dit, bagaille, élection, c'est le grand soulier ça. Donc, depuis qu'on est dans l'élection, c'est le grand soulier, on commence à comprendre, parce que depuis qu'on est le grand soulier, on a chaud. Et il vire bagaille en côté, M. dit, il faut être deux pour danser le tango. Donc, M. est en élection en seul monde. Livrer l'angle pour le danser de bagaille, côté nous-mêmes dans l'opposition, nous ne pas reconnaître l'effort fait, coup de main le bail, sacrifice qu'il fait pour nous arriver là. Et puis, le président Martelly Pral dit, faut monsieur, n'a pas le montrer monsieur qu'est-ce que les fréquents, il est dans combine avec l'opposition pour le déporter mon coup ça, pour ne pas faire élection le 24 janvier. Parce que le 22, des blousailles pétées, les monsieur Pierre Lyopon bail conférence de presse, le président Martelly pas au courant, n'a pas le conférence de presse. Bagaille a réglé dans le dos, monsieur. Monsieur Vin tout pas chef. Parce que sous convoquer le peuple en Saint-Comice ou dit élection pour le fête le 24 janvier, ce n'est pas vous-même qui sortez un arrêté présidentiel pour dire pas bien élection encore. Pratiquement, c'est monsieur Pierre Lyopon qui renverse le président Matéli qui dit monsieur pas chef encore. C'est moi chef. Coup de force la fête. Mais, l'arrivée, c'est Fab Larry, La Fontaine, le corbeau et le renard. C'est président Matéli qui a tout le bagaille. Il était capable de faire un membre de la Cour de cassation ou bien président.
Les ça t'a pas de problème, t'a pas de négociation. L'idée qu'a dit tout, c'est premier ministre Evans Paul qui peut assurer la transition. Ou joint on quatre, on quatuor de sénateurs pour Chissa, les quatre sénateurs qui mettent ensemble. Bouchinègue yo bon. Yo rivent dans palais, yo font nuit ferme à président, nèg yo endiosé président. Nous ouais ça qui écrit encore là, mais en politique yo do sort ouais yo pas dit, allez non dit. Yo connait pas important que bagaille qui dit, bagaille qui écrit. Nèg yo montre président l'a sorti avec un pile honneur. Il va même qu'à prendre la parole devant l'Assemblée nationale. C'est peut-être ça, il pas de faire rentrer parlementaire pour pas de cap faire ça. Je dis monsieur nous va le bon ça. On va sortir avec honneur. Et c'est ça yo dit, mais ça yo pas dit là, c'est lik pas important. Ça yo pas dit loin et ça yo dit là. C'est que yo dit monsieur, ou pas gain problème du tout. Pas gain audit, pas gain nuisance, nous va pas le chercher qu'on est sort posséder, sort régler. Et parce qu'il nous connaît grand pile désordre avec plus près de 3 milliards de dollars l'argent Petrocaribe, mais qu'on lui entend nous douer Petrocaribe 86 millions de dollars américains. Et yo dou nous besoin 9 millions pour nous importer pétrole pour mois de mars là. Bon, moun ki obèz yo le ka bon pou yo. Mais moun ki mèk gan koum yo, ka gen problème parce que moun ka oblige marcher à pied. Mais ça moun ki gwo a fè sport ou kase vent ou de bay konsa le ka bon pou. Mais si nou pa jwenn 9 millions de dollars américains, Venezuela n'a fait pas bon, li pa ka fè rien pour nous encore. Donc monsieur dit yo pa pral nuit. Et puis monsieur dit et puis corbo la gay fromage la bay ou là. Monsieur dit monsieur tout brani, d'accord. Ben yo dit mais non, li font résistance. Oui, gon côté le dit monsieur. Bon, ou quoi l'aime te dit m'a choisi, elle dit arrêter. Non mais oui. Quand il devait le nommer président Cour de cassation, mais il a dit attention, ou pas autorisé pour désigner successeur. Même monde qui dit ça, il a dit bon, Koulia c'est président et Assemblée nationale, Paul Bailly, président privé. Monsieur dit bon monsieur, ou quoi nous dit que nous désigner successeur, ou quoi si me désigne président privé, c'est successeur, moi m'a désigné. Il a dit monsieur bon, ok, ou pas passer échappe là-bas président privé, non, mais ou pral faire discours en bas et puis ou abandonne ou échappe là, nous allons mettre la mi bana. Mais le monsieur a échappe là, tout le monde, ouais, président privé a gardé en haut, a gardé en bas, te gen deux discours dans la poche. Yon côté le tout président, yon le pas président. Comme quoi diplomatique là, monsieur gêné, monsieur résigné, li font poser. Mais après, nous, ouais, comment élection au second degré était faite, nous pas prêter dans ça. L'agent bail, qui groupe, qui secteur, qui sous-secteur dans le secteur privé a dépensé COB pour, eh bien, ancien président Sénat, Jocelyne Privé, vin président. Qui secteur qui distribue COB? Qui sous secteur qui distribue cob pour calmer la rouille, désarmer nous même dans G8 là malgré tout combat nous fait. Eh bien monsieur dit nous pas dans bataille, yo prend tout et yo prend net ou vinn gon pouvoir monochrome monocolore côté même famille Lavalas qui était dans la rouille à tout madame ancien président Aristide avec tout et docteur Marise Nassi chef parti etc. Aller l'autre bord monsieur pas bail Lavalas sous son mat, yo prend tout pouvoir yo pour yo. Il a regardé tout le monde nager, il a dit son bon imbécile nous. Et c'est bagaille bouki malice là. Nèg a quitté peuple a fin goumé, malheureux, dit des politiques goumé et puis il dou même son bouki ou son bœuf chawa. Ça nous qu'on dit a bouik pa travail pour choual galonné, mon cher, choual yo quitté tout bouik fin travail, yo passé yo prend galon yo là, yo dit c'est yo chef, yo courir yo parti. Mais pas gain problème. Parce que nous même nager 8 là, pas t'a goumé pour ça. Ça qui t'intéresse nous d'ailleurs nous dit leader parti ça yo, candidat ça yo. C'est pour une alliance, une coalition. Non, parti n'a pas gagné pour vous. C'est 8 candidats à la présidence qui mettent ensemble, nous disons plus tard pour nous capables, eh bien, rétablir la sincérité du vote. Qui j'en sais fait? Les que, eh bien, une commission de vérification qui a dit nous qui s'est passé parce que y a un film au Stossola qui est en train de bagaille ça, qui va être gros déblousaille. Mais, monsieur Oviola, quoi, longtemps? Premièrement, comment président privé pour commettre commission de vérification sous pied pour recevoir une délégation PHTK dans le palais national pour dire monsieur pas bâti nous et Jovenel Moïse en 5e position, comment faire comme ça? Son président de la République ou chef de l'État même sous provisoire. Pour pas qu'on connaît que le pas là. C'est commission de vérification qui a bien pour le dire ça. Première erreur monumentale. Deuxième erreur monumentale, monsieur PHTK yo même on président d'un bail comme ça même sous discuter. Si c'est homme politique ou si c'est femme politique, on qui j'en pour comporter. Moi c'est yo qui sorti dans l'arrière et tomber l'amour et courir dans toute station radio à télévision pour yo dire garder ça président dit. Moun de yo pas besoin connait la bataille de l'opinion publique gon Jean Kofel. Mais qu'il y a tout monde connait président est en 5e position, tout monde suspecte ou suspecte. Donc nous pas besoin arriver là et ensuite là nous parler de commission de vérification, il y a conseil électoral là tout et suivre vous nous. Gen des moun ki gen capacité pour faire élection, qui compte faire élection, qui ta ka aider organiser élection, eh bien son coup de période n'a pas prendre. Et puis devant n'a compte pour quelle raison?
Parce que, on koufoure kap prepare, et j'en me dis là, c'est comment, gen des secteurs yo même, qui senti, eh bien, yo pas concerné, qui gen moun yo te met dehors. Nous pas contre si yo te bien mette dehors, si yo te mal mette dehors, nous kon pays d'Haïti. Mais, président Préval là, il te gen candidat, qui te gen, yo te dit gen problème de charge, même si nous estime l'te doué l'alba là, eh bien, pour lui, faut que c'est élection générale. Laurent Lamotte, son messie, son sauveur, M. Gélanvi sauver pays. M. dit lui-même, il n'y a pas de l'atout, il faut l'atout. Donc, on a tabou la raza. Famille Lavala, si y a une élection, il dit si ça a quatre candidats, Dr. Nassis là, il y a d'accord. Mais si ça a deux candidats, il n'y a pas d'accord. Et candidat Jean-Charles Moïse, Jovenel Moïse, Jean-Charles Moïse, ben, tout le monde dit Moïse, Jean-Charles, attention, c'est deux cousins. Jovenel Moïse, Jean-Charles Moïse, Moïse est notre famille, il faut faire très attention. C'est notre famille et c'est mon même côté. Donc, c'est deux cousins qui font la bataille. Jean-Charles Moïse attend pour Jovenel Moïse pas là, pour celui qui a la frontière Judy Céleste dans le deuxième tour là. Donc ça veut dire, si la commission de vérification permet de Jovenel Moïse, on a d'accord pour Taboula Raza. Or, pour arriver dans Taboula Raza, il faut écraser le Parlement. OPL pas d'accord pour écraser le Parlement. G8 pas d'accord pour écraser le Parlement. Parce que l'institution, ça a l'air sauvé nous. Si le parlementaire est fini de faire négociation qu'il a fait, il est venu avec le pouvoir et puis il est là. Yo dit mais qui j'ai appris les questions yo retirer quoi yo parce que gon bagay nous t'a goumen dans G8 là pour lui nous te dit faut qu'équipe qui au pouvoir qui t'a graissé fusil yo yo pas organiser massacre ben sang nous pas de ça mais nous dit ça dans opposition yo tout qui t'a filé manchette yo qui t'a préparé des choucages nous pas de aller couper tête moun nous pas de les choquer moun parce que violence là pas ka mener aucun côté c'est ça les situations au bouquet chien mais monsieur vient négocier dit pour sauver pays a comme pour sauver le pays, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, tout sauver tête d'abord, il prend le pouvoir. Et il prend, il ne pas prend pour venir appliquer l'accord là. Et suivre pour nous, dans le jour où il vient, il comprend que ce n'est pas affaire d'application à l'accord qui a réglé. C'est comment pour nous prendre le pouvoir, consolider le pouvoir, craser le Parlement, ça nous pas d'accord, nous avons le Parlement pas de craser. Oui, la commission de vérification dit c'est BCEN, BCED. Même si tu as gagné deux ou trois sénateurs, c'est de ça à parler. Même si tu as gagné 10-12 députés, mon pas qu'à craser le Parlement juste parce que au suspect candidat qui parle dans le deuxième tour, qui n'est pas parmi les deux candidats qui t'a doué à la fontaine dans le deuxième tour. Donc c'est une situation ça à nous. Et émission bâti Haïti. Et c'est fort ça que doit faire. Après, nous sommes sortis dans le coupé tête boule qui a nos résultats pendant plus de 200 ans d'indépendance. Nous avons entré dans la forme tête bâti Kaï. Et c'est ça que nous proposons et c'est titre émission en même. Nous sommes censés rentrer tout dans la cause sans que nous parlions étape par étape. Donc, pour ce sauveur Pierre-Étienne, tout rentrer, pour ne pas même permettre nous d'arriver pour analyser à quoi. Mais, il y a un problème que je me que tant d'opinions nous soulevent, c'est ça fait élection. Dans toute histoire pays, le problème élection, ça, ce n'est pas rien là. C'est lui qui mettait tout, ça n'a pas parlé. Le niveau dans la concession, c'est vrai que je ne l'ai pas respecté. Qui s'en a dit sur ça? Bon, et question élection, il y a une histoire. C'est en Europe, nous connaissons. Il y a parlé pendant une période moderne. Longtemps, qui a une question qui a été réglée? C'est la révolution de palais. Et puis, pouvoir là, nous connaissons. Il était de droit divin, c'est bon Dieu qui baille. Et bon Dieu choisit famille pire aimée pour le débat. Donc, sous pas petit emploi, pas petit droit. Et en général, si ce n'est pas garçon, parce qu'il n'y a pas de compte de fil comme ça, eh bien, il y a quelques côtés, quand on a en Angleterre, il y a compte de fil, eh bien, sous pas petit monde qui a un pouvoir, pas jamais un pouvoir. Mais puisque le pouvoir est de droit divin, bon effort qui peut le fait pour dénaturaliser la question. Pour dire que ce n'est pas bon Dieu qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Aujourd'hui, on sait de grands philosophes. Monsieur Sayo, il fait partie d'un courant, il est courant contractualiste. Côté, il dit, c'est nous-mêmes qui mettons ensemble les citoyens. Il y a Thomas Hobbes qui a écrit un texte comme ça, le Léviathan. Parce que les monsieur, guerre civile, là, quand il y a une quantité de monde qui mourit, monsieur, courir là le cache en France, quand il passait 10 ans. Monsieur, obligé de dire, si pas un bagage qui est plus fort que nous tous. Mais c'est nous-mêmes volontairement qui disons renoncer à la liberté, nous, à pouvoir nous, pour nous dire, gérer ça. Parce que nous, on a fini par dévorer l'autre, parce que des pour on en face où, les envie manger ou envie manger. Et c'est comme ça, monsieur Vigny, avec question l'État, on l'État qui est tout puissant, l'État absolutiste,
Et par la suite, on va joindre l'autre monde anglais pareil. Il y a John Locke qui commence à dire, bon, l'État là, vrai, nous fait tout bas, mais nous ne renonçons pas à la liberté. Nous, au contraire, là, pour garantir la liberté, nous, mais propriété, nous tout. Droit de propriété, là, ça, c'est rejoindre des penseurs bourgeois. Mon cap défend l'intérêt de la bourgeoisie, classe sociale, ça. Il dit, l'État là, pour garantir la liberté, nous, et pour défendre la propriété privée. Donc, il est là pour protéger vino et bien nous, j'en ai dit en Haïti. Eh bien, M. Abvini, et par la suite, on a besoin de nègres comme Jean-Jacques Rousseau, philosophe français, qui prend le pouvoir, c'est dans le peuple à le sortir. Et c'est toute question théorie de la souveraineté populaire. La bourgeoisie pour faire révolution dans tout le pays. Et la bourgeoisie qui est ma conne à peuple pour faire révolution, elle arrive au pouvoir, elle dit attention, oui, c'est le peuple qui baille le pouvoir, mais il y a des gens qui le baillent. Et ce n'est pas tout le peuple. Premièrement, il y a une question de statut. C'est impôt. Et pour payer impôt, eh bien, en général, il faut que le propriétaire. Eh bien, ou pap kab al di ou en vivin chef, ou pap kab voter pour mettre chef. Donc, c'est combat pour le mener, notamment intellectuel de gauche, syndicat ouvrier, au parti de gauche, pour le gourmet, qui vous dit que, parce que grand égoïste dit, son monde pas savé, ou pas fort, ou pas connu, ou pas raisonné. Eh bien, ou elle dit, mes amis, on fait un jour pour le peuple à l'école, on encadre. Eh bien, ou pas arriver même dans le suffrage universel direct, côté tout le monde qui doit voter, tout le monde qui doit candidat, de comme ça. Même si il y a des barrières, il y a des cobiomans d'ouvrir ou pas apparaître, eh bien, c'est la plus grande découverte sociale qui est faite dans l'histoire de l'humanité. Au lieu de monde prendre pouvoir coup de fusil, ou dit, il y a des partis politiques, c'est l'institution sérieuse qui fait politique, il y a un programme, il y a une vision, il y a un plan, il fait offre politique quand on vend nos produits, eh bien, citoyen à citoyen, vous entendez, dit, il y a tel candidat qui soubagne tel parti, qui a tel programme, il y a ce qui fait nous payer moins de taxes. Il y a ce qui fait nous jouer un produit au plus bon marché. Il y a ce parti ça avec programme qui peut créer plus de jobs. Il y a sous base ça, citoyen à citoyen, aller voter. Eh bien, il y a des pays qui ont grade fou. Eh bien, élite, ils ont créé conditions pour marcher éclairé à l'école pour former pour capable faire bon choix. Mais il y a des pays qui ont sont si magri à faire. Il y a imité eh bien grand non, pays démocratique oui n'a venu la caille nous et la caille nous la caille nous notamment la caille nous notamment n'a imité l'autre pays nous prend pause n'a fait élection et puis c'est ça Thomas Desulmé une dans monde qui pas ton grand intellectuel et pourtant monsieur dit il fait 5e secondaire c'est une grand homme politique nous te gagner et c'est une plus grand industriel nous te gagner en Haïti et monsieur c'est monsieur qui te gagner industrie qui te produit plastique, eh bien, Jamaïque qui te vend Cuba. Plastique, c'est une grande industrie qui est dans le Caraïbe. Monsieur Gomba, il a été l'élection zo plombée. Il a écrit Frère même, il a dit les urnes scellées. Ou prenez l'élection, toute boîte remplie, bagaille est en là, toute donnée là, peuple fait ma carte à voter, et puis il a dit mais résultat est en là. Bon, nous faisons toute expérience ça, au début, Jean-Claude Duvalier est tombé. Mm-hmm. Bon, Duvalier, même des fonds de l'équipe belle, Duvalier a fait élection, ce n'est pas élection. J'ai fait l'élection pour député, il met en bas bulletin, Duvalier président. Eh bien, Duvalier président, tout le monde connaît Duvalier président. Monsieur Frappin, 60 ans là, Duvalier président, les gens connaissent jouer, monsieur a joué. Il y a l'élection pour député, Duvalier dit, oh, il m'a réélu. Bon, maintenant, pourquoi il nous réélu? Donc, mes types d'élections d'habitude fait dans le pays. Eh bien, nous connaissons non, parfois. Bien avant, professeur, parce que si nous tombons dans Duvalier, l'histoire est en fraîche sur nous. Parce que nous connaissons plus gros coup de botte nous prenons dans le pays. Ça, c'est question d'élection que nous. Donc là, nous pas pas essayer l'histoire vraiment, nous pas préparer, mais on monte, on a le coquin à côté de commencer dans racine. Non. Parce que l'élection, c'est toujours problème. Non. C'est non. Une cause, toi qui as intervention, toi qui as problème que nous avons dans le pays. Ça. Élection était qu'on fait en Haïti, on garde l'élection au 19e siècle, c'était toujours au second degré. Mais, et ça, c'est une sorte de caractère, c'est un cérémoniel, ben, l'atelier. Parce que les gens sont commandants de la place qui sortent en dehors, les amis n'en mènent, ils prennent Kakoul ou bien ils prennent Piquet, ils envahissent, oui. Mais, c'est un bon principe. Même si les gens entrent dans la capitale, ils ne peuvent pas entrer sous pouvoir comme ça. Il faut qu'on ait un demi-tour qui fait, ils virent là, sous champ de masse, ils virent au Parlement, là, ils ont pression, et puis pour les députés, ils votent. Ils entrent de toute façon, les députés, ils votent, c'est monsieur, ils votent. Donc, c'est le président, c'était une élection au second degré. Et une élection au second degré, nous avons gagné, qui ne peut pas oublier, c'est Soulouk. Côté les nèg yo a viré en bas dans parlement alors yo wè noir yo majoritaire mais nèg ki gen peau clair yo c'est noir tout mais peau plus clair yo relé au mulâtre nèg yo dit gen les signes prend bail là pour compte nous nèg nous et tizore y a manger nous c'est ça relé présidence de doublure
nèg yo di lè yo gade yo pa wè yo di n'ap pon nèg n'ap mete mais nèg sa n'ap mete a l'ap tellement nul c'est comme si n'était là et te gen nèg savé on nèg kankou Seigne Ardouin qui c'était frère Bobo Ardouin gros nèg mulat qui konn li et bien nèg yo di bon nou pral pran Soulouk et mais qui est Soulouk teye Soulouk son nèg yo te rele bonhomme Kouachi j'étais mon petit grave. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans la colonie, qu'ils sont beaux sales, tellement M. Tontijan m'a quali. Eh bien, Negual prend Soulouk. Soulouk tellement compte. Bon, Soulouk connaît pas le président. D'ailleurs, le président Bouaï a fait une blague sur M. pendant que M. était colonel, il n'a pas l'air. Le président Bouaï a parlé en 1000. Il dit ouais, pays d'Haïti, mon pays est chargé. Il dit ouais, vieux soldat, ça, là, dans le coin. Bon, M. doit être le président pays. Soulouk dit oh, président, pourquoi ils sont fait méchant, c'est ça? Ou qu'on n'aime pas même qu'on lui même pour dire quoi c'est causé ça? Non seulement Soulouk vient président pendant c'est deux ans, monsieur vient à pouvoir pendant 10 ans, bagay grave. Monsieur vient à pouvoir. Eh bien, laissez Seigne Ardouin aller chercher Soulouk avec Zamilio, dans une des casernes côté monsieur Teretea. Soulouk, c'est ton grand mon akaria, petit monde qu'on a mis, mon a bail blague sous lui. Monsieur couché dans la mat, monsieur a dormi. Et puis, il a débarqué. Et puis, il a dit mon général, nous venons chercher là-bas, comme ça pour mettre au président. Ah, grand mon akaria l'a levé. Monsieur fait mauvais sang, là, il prend carabine pour le tirer, nèg, parce qu'il connaît mon capanui, il commence Soulouk, t'as fait penser le président. Nèg yo di en général on perd du temps puis on l'autre nèg passer pas en balle prendre sous non c'est tout bon balle mettre président on perd du temps monsieur réfléchit et tout bon a parlé nèg yo di oui c'est tout généralement monsieur nous pas commencer non non c'est mettre président moi m'a chef tout bon non seulement le chef les fusils et Seigne Ardouin j'ai tué Seigne Ardouin mettre le président donc monsieur vient chef tout bon vient en pouvoir donc c'est comme ça nous déconne faire ou bien mettre un monde qui pas capable nous mettons monde qui pas capable pour capable gérer nous faire élection au second degré nous et dernière fois nous faire élection au second degré c'est en 1946 côté président estimé qui était fait l'argent dans massacre etc. et haïtien république dominicaine 1937 monsieur acheté élection il arrivé c'est un grand don mais à partir de 1950 colonel Paul Eugène Magloire lui-même l'a pral établi en colonel ou en militaire oui ça relait eh bien suffrage universel direct côté eh bien citoyenne citoyen peuple pral voter pour président normalement. Et cette période de 1915 que tu as fait. Oui, là, ça, c'est non, c'est second degré. C'est américain, il y a un cercle là, il y a deux, mais type de loi pour voter, mais qui j'ai pour faire, mais qui est pour bon, nous connaissons. C'est pas nous-mêmes, ça va responsabilité pas nous. Non, il y a sous occupation. Gérer où? Mais c'est même pas évolué. Jusqu'avant, cause d'occupation, alors. Non, cause d'occupation, c'est instabilité politique. Ou bien deux bagailles qui fait, c'est violence, instabilité politique, c'est guerre civile qui détruit le pays, net. Et puis. Ou gagner question néo-patrimonialisme. Question, moun ki chef là, il pas fait différence entre domaine privé et domaine public. Ben là, toujours oui. Elle dit, l'argent de l'État, c'est dans la poche, monsieur lié. C'est là, régler toutes les affaires, etc. Nous sortis dans le 19e siècle là, au point que l'État a effondré, ce n'est pas seulement guerre civile, ce n'est pas seulement massacre prisonnier qui a fait. Bagay qui est plus grave dans la question, c'est que Haïti est en banqueroute. Parce que le système productif n'a pas de kakemba encore. Il était tombé net. Au point que l'envoi est campèche à le vendre, quand il est campèche, nous mettons sous bateau, l'envoi est l'autre bonne vente campèche là, comme Libanois, nous ne pouvons pas payer fret là, nous ne pouvons pas payer traversée. Donc, nous ne pouvons pas payer ça. Le pays est en banqueroute, et puis, on peut arriver dans une situation où les Américains occupent, les Américains peuvent prouver que ce n'est pas le pays qui est en banqueroute, c'est nous qui avons cassé caisse. Les Américains, non seulement ils ne peuvent pas payer aux fonctionnaires, ils ne peuvent pas payer tous les fonctionnaires, ils ne peuvent pas payer des dettes pour nous, et ils ne peuvent pas bâtir le palais des ministères. Yo pral bâti l'hôpital général que nous te connait fait 100 ans c'est qu'il y en a PC reconstruit là. Yo pral bâti palais de justice. Yo pral bâti et ministère agriculture. Yo pral bâti en question de 16 casernes sans compter pont etc. avant poste. Yo pral faire 2000 km de route sans yo pas dépenser cob dans poche yo à cob pas nous parce que yo met un contrôle sous douane là, c'est là commandant de la place yo t'a pillé. Et ça qu'il a accumulé cob que c'est dans nord dans sud pour marcher sous Port-au-Prince, il était une cob pour acheter des armes etc. des blousons sans compter étrangers qui dans commerce qui t'ont prêté au cob pour une renverser l'autre etc. Donc américain t'es venu mettre fin à question instabilité politique là mais solution bah il a pas de kembe tout il devait construire une classe moyenne à l'américaine mais il t'a ignoré que nous pas de gain bourgeoisie nationale, une bourgeoisie entrepreneuriale, nous pas de gain classe ouvrière parce que c'est lui qui va le créer classe ouvrière nous tous, c'est lui même qui va le créer sanitaire les classes moyennes tout à travers l'administration publique, à travers l'armée, nèg qui prend l'officier, etc. Eh bien, lui-même, il était dans le niveau élection au second degré. C'est colonel Paul Eugène Magloire qui a fini avec l'élection côté ses parlementaires qui désirent moun. Eh bien, dernière élection au second degré, nous, c'est en 1946. En 1950, Paul et Eugène Magloire ont été élus et élection au suffrage universel direct, mais entre guillemets. Parce que M. Choison, candidat, le met en face. Il n'y a pas de candidat tellement de nul. M. dit comme programme, il a fait pour que la Gonave avec Port-au-Prince. Donc, on est dans l'élection, on choisit le candidat, il met en face, on ne sait pas quel type d'élection. Mais,
faut garder ça, oui. Nous connaissons ce qu'il y a, nous retourner à la question 1946 là, avec élection tête chargée qui fait. Mm-hmm. Au second degré, Jean le qu'on fait avant 1950 là, côté, il y a des grands nègres qui ne voient pas les gens, il y a la machine, il y a distribué enveloppe, député qui m'a dit tant qu'on vote, Jean le qu'on fait longtemps. Donc, et c'est pour ça que. Donc ça veut dire l'histoire son perpétuelle au commencement? L'histoire, eh bien, nous-mêmes, nous pas admettre l'histoire perpétuelle au commencement parce que ce n'est pas le même acteur. Yo. Mais nous faisons bac, il faut que nous reconnaissions l'histoire. Et ça qui passe est inacceptable. Une fois que le président qui est élu, il faut que lui retourne sous constitution, réviser la constitution pour nous sortir dans le suffrage universel indirect. C'est quand il y a plus de corruption. Il est fort difficile pour corrompre un groupe de 4 millions, 5 millions de monde qui va le voter. D'ailleurs, malgré tout, nous, c'est comme qui fait mon bon. Eh bien, l'arrivée dans la phase, quand on a 92 députés, parce que nous pas arrivé et bien en quantité de gagnants ou gain 24 sénateurs l'argent distribué ou mettre prendre monde qui plus honnête qui plus compétent ça qui magouya batli édition jeudi a nous gain avec nous professeur Sauveur Pierre Etienne qui c'est coordonnateur général OPL et nous gain pasteur Jean Savane Jeune qui de parti Canaan. Donc n'a pas réfléchi sur histoire sur pays d'Haïti comment que nous-mêmes, nous sommes capables de bâtir le pays. Et professeur Sauveur Pierre Etienne, je vais parler de refonder l'État-nation. Et pasteur Chavan John, nous sommes suivre tout en volé ça, toute histoire que le professeur a. Ben non, nous sommes obligés de la caille. Parce que si ça, tant pour nous apprendre, pour nous aller point par point, nous sommes obligés de nous aller. Mais cependant, il faut garder pour nous un rôle parti politique, parce que nous connaissons. Un pasteur ou entrer dans la politique, c'est pas pour une fois que candidat, mais ça fait élection. Mais il y a un autre mot, c'est concession que nous toujours fait par rapport à respecter les gens. Ou même dans la dernière élection, peut-être avant la dernière élection que vous participez, ou bien deux dernières élections que vous participez, c'était encore concession. Mais où est le parti politique? Comment nous structure la vie politique là, d'un côté? Et moun tout qui a influencé la politique là, qui parle en politique, mais qui font en dans la politique là, et puis tout jeune yo tout, même dit jeune yo, moun qui fait cap vini yo, et nous est plus que nous avons une structure qui t'a permettre que tout le monde respecte les règles là pour nous faire sortir, c'est entrer dans votre fond. Bon, si on prend l'histoire parti politique ici en Haïti, ça pourra le traîner encore dans l'histoire, mais qui c'est une véritable lutte. Un véritable combat, un combat permanent. Donc, pour la survie d'abord, et deuxièmement, pour être capable de permettre que la démocratie les fleurit, et soit à travers les élections ou à travers le renforcement des partis politiques. Et c'est une raison qui fait que le chef d'État n'a pas jamais renforcé les partis politiques. Parce que ils ont profité de faiblesse parti politique pour perdurer et pour être capable et fait toute dérive que vous voulez, c'est-à-dire au sous pouvoir. On a remarqué que en pile l'un chef d'État ou bien monde qui vient, c'est-à-dire président, Zach a fait deuxième année ou troisième année avant mandat au fini, c'est construit propre parti politique. On n'a pas qu'un droit venir avec une casquette prêtée. Et puis, pendant là, donc, il fait parti politique pâle et sortant de là, où qu'on ait élection pour passer mal. Parce que c'est une façon pour le capable de quimber pouvoir ou bien pour le capable de quimber pour lui. Étant donné que la Constitution n'est pas capable, encore 87 ans, on va pas remplacer tête tout. Donc, il faut au bon petit transition de manière pour que on reprenne. Et c'est jouet ça qu'a joué. Il a dit depuis les années 86, lors passé dans l'élection 90, que nous tous dit c'était seule ou première élection démocratique. Il a dit qu'il était réalisé en Haïti, mais malgré ça, donc, et il n'y a pas de personne qui a dit combien de votes on a fait, qui est-ce qui était premier, qui est-ce, au premier combien de voix, etc. Donc, là encore, et il a joué avec la démocratie. Et sans oublier 1988, là, donc, l'élection ça a fini dans le sang, parce que l'armée prend contrôle, puisqu'elle a commencé à jouer de pouvoir. Donc, elle prend contrôle encore, craser l'élection, ça a rappelé nos massacres, El Vaillant, etc. En bonne bagarre. 90,
élection bien passée. Président a réussi d'installer lui. Et puis, ça va prendre, il a dit longtemps, pour que en septembre, il a dit qu'il a perdu le pouvoir et avec un coup d'État. Bon, ça maintenant dans l'autre flou, côté il y a un président provisoire, que l'armée a assuré, etc. Donc, et finalement, en 1994, il retournait, tout le monde criait « démocratie retournait ». Démocratie retournait. Donc, et il a écrasé l'armée, et puis il a venu la police là seulement comme unique bras. Il a dit armée que nous avons dans le pays, au détriment de la Constitution 1987, qui était debout parce que l'article ça n'a pas dû me toucher, même dans l'amendement, il n'a pas touché que nous avons deux forces. Il a dit dans le pays, ça, c'est l'armée et la police. Donc, tout le monde a regardé la bataille parfaite. Comment pour l'armée à retourner, etc., pour respecter les termes de la Constitution. C'est quelques voix d'Adi qui a plaidé en faveur d'Adi de reconstitution de l'armée, mais ça n'a pas jamais passé, ni dans le Sénat, ou pas jamais posé problème, non, etc. Parlement n'a pas occupé, et puis ça passe, et joue à traîner. Et finalement, nous prenons l'autre deuxième coup d'État avec le président Aristide. Il a dit qui parle terrible et fatal. Il a dit pour la démocratie, bon, eh bien, ça vient de faire que nous passons pour l'autre transition encore. Donc, et après transition, élection organisée. Donc, nous tous connaissons qui j'ai élection. Il a dit 2010 organisée, 2006. Donc, et ça fait que nous venons un président Préval qui montait. Donc, avec faiblesse tout. Non, système élection. Et à tel ancien, pas de gain deuxième tour pour Jean-Baptiste était passé. Et puis, élection 2010-2011, donc nous avons commencé à passer encore. C'est force étrangère avec Vinil, Fouré, Mellan, Union, il dit bon, on mettait des nègres pour aller dans le deuxième tour, etc. On retirait M. Jude Célestin, on prend le président Martelly. Donc, avec Mme Maniga, et puis c'est dans ces circonstances que le président Martelly vient prendre pouvoir. Et qu'on y a maintenant qui s'annonce là, donc, nous pas capables d'organiser bonne élection, et élection 2015, ni sa 9 août là, ni sa 25 octobre, il est passé dans une situation désastreuse. Est-ce que c'est nous pas capables, ou bien c'est vlé nous pas capables? Je pense que tu apprends un mot, nous pas vlé. Mais le système dans tout boyé nous. Nous pas vraiment qu'on a un système vrai, d'adi pour organiser de bonnes élections dans le pays. Et nous passons un paquet de conseils électoraux provisoires, donc qui sous-coupe réglé. Donc, nous pas jamais qu'à mettre structure, d'adi que la Constitution prévoit que tu es capable d'avoir un meilleur résultat. Donc, c'est le conseil électoral permanent. Chaque président qui monte, il fait semblant qu'il a voulu monter, bon, il a cassé l'encore, etc. Donc, nous étions avec des conseils électoraux provisoires. Et chaque provisoire qui vient, nous avons une faiblesse là. Et qu'on y a, mais nous prenons l'autre provisoire encore avant longtemps. Nous prenons. Nous prenons. Alors, je parle au conseil électoral. Ah, okay. Il en passage. On reconnaît ce qu'il a fait, comment il a fait, etc. Donc, qu'on y a maintenant deux gouvernements provisoires en même temps. Je vous dis, on fait deux cabesses dans le provisoire. On a gardé le premier ministre Evans Paul, et puis on vient de dire qu'on y a un passage, c'est M. Fritz Jean. Donc, deux gouvernements provisoires, et c'est ça qui a porté clash. Il y a des collusions, ça a qu'on a gagné, et qui est plus terrible que ça ne décomprend, c'est que. Je dis à la police, par contre, à qui laisse y en a fait? Qui est-ce qui est chef? On doit à quoi, non? Parce quoi? Que je vais contrôler le atout. Oui, d'accord, temps, oui, c'est ça. Le moment réellement propice, on doit à quoi? Comme c'est concession qu'a fait. Je dis pour les autres, Vietienne. On fait concession soit à quoi? Parce que si tu vas aller avoir une question. Bon, on peut le monde qualifier à quoi? On peut le monde qualifier à quoi de à coco? Et on peut comprendre pour qui ça? Parce que Accor, premièrement, donc, il est mal fait et acteur pas mandaté pour faire Accor.
Voilà que on a conseillé en deux parties. C'est le président sortant, qui est l'exécutif, et parlementaire là. Donc, pour le président sortant, qu'on n'y a pas là, on retrouve avec un accord qui a un seul pied. Et moun ki a dit fabriquer accord, c'est lui qui vient président, lui qui ton flou dans le parlement, qui non ouais bataille. Constitution. Oui. Constitution même lui-même et yo prend ti morceau là-dedans, yo prend morceau dans accord, yo habillé, yo fait accord et qu'on y a pas contre sur qui clavier oyé. Nous songe premier ministre Lamotte qui paraît dans le parlement. Et il y a un parlementaire qui m'a dit sous qui constitution nous y est. On est qui premier ministre. Dis-nous sous qui constitution nous y est. Je ne sais pas, je me réponds. Et c'était intelligent de sa part. Il va te kadi. Nous avons amendé. Il va te kadi. Nous avons 87. Parce que, quel que soit, je le réponds. Non, il n'y a pas de problème. Mais donc, société, il, rien, il a pas rien. C'est-à-dire, il passait inaperçu ou bien il y bagay qui te dit, non, mais. Parce que la société a pas jamais dit, parce que la question même là que le Premier ministre Lamotte n'a pas répondu, mais la société a pas pas de réponse. Et question en tout. Le Premier ministre Lamotte, si c'est ton virtuose politique, il n'a pas de réponse. Ça, le tas si dit. C'est moi qui suis dans la situation, on parlementaire pose une question, ça, je dis parlementaire, nous sous égide constitution te prêté serment sous lire m'a dit yes mais on te prêté un serment même c'est ça ça son réponse c'est ta réponse c'est politique oui dit nous qui constitution ouais c'est ça il te joignou là ouais il te joignou là donc maintenant et accord là licence caduc pour moi-même avec nous-mêmes OK. Donc et j'ai 12, n'a dit dans sens ça. 30, donc 12 qui est. À 30 j'ai 8 et j'ai 30. OK. C'est dans j'ai 30 que moi appartenu. OK. Okay? Nous même nous senti que donc accord là. Donc les réellement n'a dit pas un accord tout bon qui défiait constitution et défiait n'a dit les normes de la République. Parce que si mon concepteur y a un accord, tant que l'autre dit, même ces mots fameux de doré qu'on y a, ou concepteur, ou rédacteur, ou négociateur, donc ou signateur, et puis après ça, ou bénéficiaire. Qu'on y a, est-ce que nous détendons un petit mot que comme si. Président privé voulait tourner pour le dire si on pas capable passer premier ministre il est capable installer Jean Levé etc ou pas capable bagarre ou du moins d'écraser parlement c'est grave parce que je pense que monsieur a fait preuve il a dit dans un monde qui fin il a dit il y a tant de pièges et puis lui-même il prend un propre piège parle donc et c'est lui-même qui signe si s'il foiré, c'est que le poté première responsabilité. Il n'a pas transféré le bah, président Martelly, puisque le président Martelly n'est plus. Donc, il a porté seule responsabilité à quoi. Donc, quel que soit sa crise à quoi, là, c'est lui-même qui prend de répondre de à quoi, là. Comment il ne fait pas atterrir, comment il fait foirer, comment il fait changer, etc. Donc, d'ailleurs, lui-même, l'idée que l'accord là, c'est un passerelle pour te débarrasser du président Martelly sans casse, etc. Donc, on dit, monsieur, en ce sens, ben donc, on prévoit un nouvel accord. Si c'était saleté, ça fait déjà. Est-ce qu'on prévoit un nouvel accord pour nous capables, eh bien, qu'on ait côté nier sous qui régime n'a boulé, qui genre ou même au bras
orienter le pays, etc., en tant que chef d'État, comment on va aller là? Donc, pas de réponse, même des senties dans l'expression. Donc, il y a un plan pour une nouvelle rapport. C'est face à face, vous posez face à face. Alors là, c'était G30 avec lui dans la rencontre, non? Donc, moi, j'ai senti que il y a un problème. Et le problème, non, c'est que nous sommes capables de déboucher sur l'autre scénario. C'est un scénario réel maintenant, la réelle politique. Donc, toute petite dérive ou divergence ou toute bagaille qui a combiné, c'est dans le but pour éclater l'accord là, parce que l'accord n'a pas mené le côté pour l'aller. Donc, si a fait de 120 jours n'a pas parlé, c'est on a dit, il fait partie de passerelle là. Ce n'est pas vraie réalité. La réalité, c'est un gouvernement de transition qui l'a même pour un an, deux ans. Parce que si, gouvernement actuel. Oui, parce que si on a parlé, par exemple, de Taboula Raza, donc, on pourra le voir que faut que sauter à corps là. Et faut que, on a dit, et le gouvernement ça, ou bien, on a dit, l'État ça, il continue à aller. Ça fait, je suis d'accord avec le professeur Sauveur Pierre Etienne qui dit que nous avons deux voies pour nous prendre, qui sont plus simples pour résoudre le problème là, au départ du président Martelly. C'était cour cassation, ou du moins, il y a un accord politique pour le premier ministre Evans Paul de continuer pour réaliser l'élection. Est-ce que le président Martelly n'a pas essayé, pas essayé? Il était bien ça dans le plan, mais on connaît à Malin, Malin et demi. Bon, Jean, professeur, se t'explique bah là qu'on y a le plus clair pour le monde qui voulait comprendre. Il voulait comprendre parce que crainte parlement a été gagné, c'est que il était monté sur de mauvais pieds, il a peur pour le perdu, il a dit la face tout pour le capoter. Et seule façon pour le quimber, pour le résister en bas, insistance sur évaluation, on a dit élection. Yo. Donc, c'est, on a dit, prends bagaille là en main, ou c'est eux-mêmes, on a dit, qui viennent avec une solution pour départ matériel, puis tout qu'un bel, et qu'on y a, y a gagé pour venir dire évaluation. D'ailleurs, pour parler d'évaluation, au contrarié, parlementaire. Parce que, donc, côté Ottawa, ça n'a pas jamais été fait pour finir élu, etc., qu'on y a une immunité, qu'on y a tout le bagaille, pour qu'on vienne attaquer dans la forteresse. Ça n'a pas été fait. Donc, qui côté nous est là? Eh bien, qui côté nous est là? Nous sommes dans l'impasse. Il faut que, Dadi, toute classe politique, là, avec secteur qui concerne, donc, il faut que nous joignions une façon pour nous chita ensemble. Et seul moyen, pour moi-même, pour le président privé, était en vie, c'est virer ça pour le faire vers, on a dit, parti politique, vers les candidats, vers le secteur, on a dit, vital pays, pour nous faire chita. Non, mais parce là... que l'Ipral entre tête, lui, dans un impasse. Il est déjà dans un impasse là avec le premier ministre que le désigné. Hein? Donc, s'il prend son cabrit dans le Parlement là, soit dans la fin de semaine ça, ou semaine prochaine, il y a deux choses que le café fait. Une, c'est aller net dans, on a dit, ça me donne une attitude de machiavélique. Et puis il dit, bon, nous là net, nous avançons, adelanté, et cela, sans parlement, parlement crasé tout, lui-même, lui comprendre, lui qu'à survivre, il n'est pas capable. Ça n'a pas fait sens. Ou du moins, que les composés, pour ne pas répéter l'expression, pas dans le sens des là, composés ou bien décomposés, mais il faut que les composés avec, d'adi, classe politique. Donc, il n'y a pas de choix. Sinon, c'est nation qui parle pays, c'est nation qui parle pays pour casser. Et je crois parti politique, yo, encore une fois, pour le croiser bras, pour nous faire frais. Dérive ça, parce que nous tous pour le capoter et situation pays a vraiment difficile. Donc si nous ne pas mettre main ensemble,
Donc moi-même, moi fais un appel tout à un esprit de dépassement et de la classe politique et de parlement et de président privé et avec tout, c'est-à-dire premier ministre de transition, parce qu'on pas gain au gain deux transitions, deux gouvernements de transition, la transition de la transition. Donc faut que nous arrivions pour nous joindre un mot douce opérandi pour nous capables de résoudre problème ça et aller de l'avant. Et à faire 24 avril et 14 mai, il faut que nous joignions une réponse à ça pour nous voir comment nous sommes capables d'éviter la situation. Alors que d'autres secteurs m'ont demandé pour respecter l'accord. Professeur Sauveur Pierre-Étienne, ou même qui avant depuis toute élection, qui a fait campagne sur la question, refonder l'État-nation. Écoutez, je veux dire, fonder l'État-nation ou refonder l'État-nation avec accord ça? Bon, et c'est toujours question de nécessité de gagner pour nous travailler ensemble, pour nous récupérer la dignité, non, pour nous recouvrir la souveraineté, non, et pour nous refonder l'État-nation. Même pas quoi, c'est accord ça qui va permettre nous refonder l'État-nation. Et depuis que dit accord, ça qui doit être clair, c'est que pas de provision légale encore, pas de provision constitutionnelle. C'est-à-dire nous choisissons pour ne pas appliquer la Constitution. Hein. Donc, nous violons les et à quoi ça, nous avons brûlé un accord mort-né. Parce que, pour si on accord, je ne peux pas si on accord à propre tête. Si on accord avec un monde, je n'ai pas de conflit avec lui. Nous sommes capables de décider nous par la justice ou bien nous sommes capables de décider pour nous joindre une entente. Et nous sommes capables de dire, OK, mais ce qui ça entend nous, au lieu où prend batterie d'avocat, on prend batterie d'avocat, il y a le tombé manger comme nous. Parfois, il y a des lois qui sont régler pour deux carreaux de terre. Et puis finalement, avocat, yo, 30% honoraire. Nous sommes deux frères. Si nous entendons, nous chaque temps sortir en carreau. Donc, nous joignons en entente, nous joignons en accord. Donc, ou pas comme si on a accord pour peut-être tout. Voilà que parlementaires, si on a accord avec le président, ça qui est grave dans la question, il n'y a pas de mandat. Parce qu'il faut assembler chambre députée à tabac et président chambre députée à mandat pour aller signer un accord. Il faut assembler sénateur et tu as fait même bagaille là. Ça n'a pas de fait. Là, on a montré le caractère illégal question ça. Et la Constitution va prévoir tout pour le Parlement signer un accord avec l'exécutif, etc. C'est pas très compliqué qu'il a. Voilà que aussi un accord là avec un président. Mais le président est à quelques heures de l'expiration de son mandat. Vous faites le 6 février, le 7, il n'est pas président encore. Donc, immédiatement qu'il n'est pas président encore, nous avons signé un accord là, il n'est pas occupé de fonction. Nous avons dit pas un accord. Bon, son pays, nous avons les pays écrasés, nous avons dit OK, c'est pour un accord, bon, son accord. Comme ça en Haïti, nous y est. Donc, même l'elle pas un accord, nous avons considéré comme tel. Mais accord là, c'est même genre avec la Constitution. Pour qui ça nous pas jamais appliquer la Constitution 1987 là? Pour qui ça nous dit nous allons faire une Constitution amendée et puis nous pas respecter la procédure que la Constitution a établie pour nous amender? Nous faisons l'obéir, finalement tout le monde connaît son bail confié aux mafieux au réglé, il n'y a pas de cap publié parce qu'en temps d'entrée, il n'y a pas de passé. Le président Martel était venu jouer deux mandats. L'ancien président Préval était cap d'accord pour jouer deux mandats. Ça veut dire, l'or il vient en face de ça, il n'y a pas de chercher à mettre un monde, non? Il t'a prêté lui-même, il t'a prêté l'élection. Ouais, quel problème ça t'a prêté le bail? Eh bien, puisque je ne suis pas d'accord pour prolongement mandat, l'autre élu, Jean Dil l'a fait entre lui-même avec ancienne équipe là, finalement, il dit, monsieur, puisque on n'a pas de prolongation, on n'a pas de possibilité pour venir candidat encore. Donc, question à régler là. Pour qui ça ne pas respecter la Constitution? Parce que la Constitution constitue un carcan, un corset. Nous pas à l'aise là-dedans, parce que nous pas aimer discipline. Nous pas aimer respecter principe. Nous ne pas respecter les normes. Nous avons toujours besoin de violer la loi, violer la Constitution. Et bien, si nous faisons pour la Constitution, pourquoi ça ne peut pas violer la loi? Même si ça peut peut-être nous signer. Parce que ce n'est pas le maximum qui a encore avec tête. Son bail, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expliquer. Son bail qui est absurde. Mais c'est là à nous. Mais malgré ce parlement qui a la tête, ou tu as dit, c'est le président privé même qui même signé la tête, ben, c'est lui qui bénéficie. Bon, lui-même, il décide de ne pas respecter la signature. Parce qu'il est clair que nous n'avons pas de temps là pour nous organiser l'élection. Soit appliquer l'accord là. Avant 24 mars, il faut que le président a convoqué le peuple dans sa commission. Il faut que tu aies un arrêté qui sorti qui dit nous,
deux candidats, il faut que la commission de vérification ait été mise sous pied pour dire qui deux candidats à la présidence pour le faire aucun compte. Il faut travailler au mois. Jean décret électoral la prévoit là pour faire campagne. Donc si avant 24 mars, pas un arrêté qui sorti pour le président convoquer le peuple dans sa commission, comme si nous pensions qu'il va gagner l'élection le 24 avril. Il n'y a pas de 24 avril avant. Il y a même dans le palais, il connaît très clairement pas de gagner l'élection, pas un président nouvellement élu qui peut l'installer le 14 mai. Dans tête, parce qu'il faut avoir une volonté politique pour avancer. Bon, il y a même y a traîné les pieds, ce n'est pas ça qui intéresse. Et il y a l'autre acteur qui n'est pas intéressé non plus. Koulia, c'est au moment privé, il faut que la société assume les responsabilités. Est-ce que nous sommes d'accord pour le président privé faire coup de force pour le craser parlement? Nous capables de remettre, nous capables de parler parlementaire. Nous sommes capables de remettre, nous capables de parler les partis politiques. Mais les partis politiques ont une représentation parlementaire. Il y a des partis qui ont des députés et des sénateurs qui sont là. Et qui sont pas mal élus. Des gens qui font un pile sacrifice. Ils ont goûté contre parti au pouvoir, coup de zame tiré, ils ont des partisans, ils ont mouru, etc. Il est blessé. Eh bien, nous pas qu'à quitter l'équipe qui l'a crasé parlement, parce que quand vous coupable, finalement, c'est sur l'institution qui aurait été là. Avec cour de cassation, bon, les gens qui ont laissé frapper le pouvoir exécutif ou législatif, nombre de juges pour gagner ou pas même gagner. Gagner deux mandats fini. Comment mandat fini, on ne fait pas renouveler le mandat. Et tout jugement est rendu. Est-ce que citoyen et citoyen, si vous estimez intérêt lésé, est-ce que vous avez dit juge ça, puisque le mandat est fini, eh bien, il n'y a pas de droit de rendre justice contre nous. Donc, c'est dans cette situation ça que nous retrouvons, nous. Eh bien, l'accord là, il a déjà montré nous qu'il ne peut pas appliquer, mais attention, l'envieux l'accord là, compris pour payer, parce que c'est où qui signe. Si l'accord là dit le 14 mai, bon président nouvellement élu, est-ce que nous obligés d'être le 14 mai pour nous connaître sa président provisoire, dit avec nous? Est-ce que si nous avons 24 mars arrivé, pas de deux candidats qui ont fait campagne, parce que pas de commission de vérification, parce que pas de conseil électoral provisoire, est-ce que nous-mêmes dans la société, c'est nous pour dire qui est supportable, qui est insupportable, qui est acceptable, qui est inacceptable? Est-ce que nous obligés d'aller jusque-là? D'ailleurs, si le président a été respecté tête-là, il a respecté la signature, il a pris son côté, il a dit, je ne suis pas capable de choisir un premier ministre comme si je suis président qui a fait un coup d'État. Non, si son accord, il faut choisir, oui, en consultation avec le président des deux chambres, mais qui sa consultation signifie dans le cas ça? Bon, ou son ancien sénateur, ou pas même besoin de consultation. C'est juste pour le président de Chambiodo, mes partis qui ont une représentation parlementaire, mais comment pour le président prendre contact avec le parti ça yo, et sous base discussion avec le parti, il dit, mais comment nous allons choisir le premier ministre là, il y a un accord, yo, et il dit, mais qui gens n'a composé gouvernement, nous avons qui parti, parce qu'il y a 2, 3, 4 députés qui ont un ministère, ou bien un secrétaire d'État, ou bien deux ministères, qui ministère. Tout le bagage est mis au point. Pas de laisser frapper ça, tout ce comme ça. Question pour le ministre, question déclaration de politique générale, c'est après cette formalité que le tapis. Parce que le gouvernement constitué, tout le monde sent à l'aise, confortable là-dedans. D'ailleurs, pour 3 mois, il y a des professionnels qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ministre pour 3 mois. Ils n'ont pas obligé de faire effort pour convaincre un camarade d'un parti pour dire mon chef fait sacrifice ça pour le pays. Parce que l'offre de ministre pour 3 mois, si le premier ministre a démissionné, immédiatement qu'il va démissionner, le gouvernement démissionnaire, il va falloir faire des charges pour capable venir intégrer l'autre gouvernement. Où est le problème qui est? Là encore, il faut faire un compromis pour nous résoudre la question des charges à tout. Parce que sinon, il y a des citoyens qui ne peuvent pas mettre tête là, il y a des citoyens qui ne peuvent pas mettre tête là. Bon, même là, nous pas arrivé à entendre nous, c'est parce que nous connaissons, ce n'est pas pour 3 mois vraiment. C'est parce que nous connaissons, nous entrons dans une dynamique côté monde qui modère dans le pouvoir. Il dit, comme mandat 10 sénateurs pour le fini, eh bien, nous avons fait élection pour en octobre. Et nous avons fait élection en octobre pour nous renouveler tiers Sénat, pour députés à candidat à la députation et candidat au Sénat qui est dans le deuxième tour, et puis pour deux candidats qui vont. Mais il y a un qui dit, mais on va aller comme ça tomber dans le menu et puis sous 9 mois pour nous débattre. Non, non. Il y a un qui faut faire 2 ans là, et il y a un tellement loin, il a cherché à appui. Communauté internationale là pour passer 3 ans là. Yo dou son transition refondationnelle, faut que nous venions à l'autre constitution, à l'autre régime politique, bagaille premier ministre, ça, régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, député à sénateur, mandé trop cob pour voter pour premier ministre. N'a pas un régime présidentiel, côté bon président, a bon vice-président. Laisse ça nous pas gain monde qui pourra le parler devant parlement parce que parlementaire non seulement il mandé cob
mais au fait nommer petit fami petit ami ménage parfois monde qui pas même font rhétorique et pourtant des diplomates à Paris à Washington c'est bagarre grave en Argentine au Brésil au Chili c'est des pays côté monde qu'on lit tout bon et gagne des monde nommé les abgado il y a prend pour soyer. Or, au 19e siècle nous connait qui monde qui était qu'on représenter Haïti à Paris à Londres aux États-Unis etc. Donc faut que nous gérer toute question ça dans sens ça pas gain encore pas gain encore qu'à respecter pas gain encore qui a pas appliqué. Et qu'il y a nous capable dire qui ça parti politique yo pas le faire c'est eux même qui gagne représentation parlementaire yo pas le manifester yo nous pas le vraiment si parlementaire ça yo représenter parti yo et si yo représenter parti yo y a pas le défendre idéo parti yo idéologie parti yo y a défendre eh bien et principe démocratique parti yo et à partir de ce moment faut que tu aies des mots d'ordre pour nous ouais et si un premier ministre président provisoire pas négocier avec un parti soit parlementaire parti a voté pour premier ministre ça qu'on a formandé qui dit le qui fait qui dit le qui fait parce que sous pas dans gouvernement on voter quand même faut dire sous qui base d'autant plus que yo parlé de monde qui gain cob qui te distribuer cob pour élection président primaire et yo dit qu'il va distribuer cob encore pour faire des parlementaires voter dans pile là-dedans on entendait parler qui dit yo gain conviction yo pas voter pour l'argent yo pas pile mango yo pas pile patate pile banane yo pas gain prix. C'est tant mieux, mais c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. En temps de vote la fête, pour nous, si ce n'est pas les enchères à faire monter, parce que quand on a offert 30 000 dollars, les autres, les mêmes, ils vaut 50 000 ou 100 000 dollars américains, on connaît. Eh bien, n'a pas gardé des questions comme ça, mais ça qui est fondamental pour nous, dans ce moment ça, c'est est-ce que, et c'est question ça qui est fondamental, est-ce que n'a pas continué à faire ça, n'a pas habitué à faire, est-ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, comme son nègre, nous apparaît, nous lié, il te dit, Nations Unies en Haïti pour, eh bien, un long accompagnement de 10 à 20 ans, nous sommes 11e année. Est-ce que ça veut dire, tout le monde nous le font 9 ans encore parce que nous n'avons pas mangé l'autre, nous n'avons pas dévoré l'autre, nous n'avons pas entendu l'autre, malgré tout ça divisé, nous n'avons pas qu'on ait intérêt pays, plus important que tout ça divisé nous. Est-ce que nous avons un compromis historique ça? Est-ce que sagesse politique a aidé nous comprendre? Ou pas qu'après tout pour pendant longtemps, pendant tout le temps? Ça, qu'en fait, nous avons un avoir. Si le président Matéli te prend tout pour lui, eh bien, il te dit, il a fait une prendre banane dans Jean Nouvelier. Quel grager, quel boucané, quel bouilli, que ses figues. Ouais, lui-même, il est obligé de chaper pour lui. Donc, il n'est pas capable. Pas de nous yon qui a fait ça. Donc, si nous reconnaissons faiblesse, nous pas de nous yon qui a mis de l'autre la tête définitivement, eh bien, on négocie. C'est comme ça, le monde civilisé, le monde qui rationnel fait. On joue un compromis pour nous connaître comment, eh bien, on a privé boucler le processus électoral là. Sans nous pas craser parlement et puis pour nous prendre une direction qui permette de nous comprendre que eh bien cette fois-ci son compromis historique qui chita son large consensus si nous doit organiser dialogue national si le président doit convoquer le président nouvellement élu doit convoquer les états généraux de la nation c'est le cas faire parce que l'on parle de dialogue national on parle de conférence nationale et pour un petit mandat 90 jours dans mon qui sauve les faits qui sac des têtes. Il faut 10 peuples qui sont à vous les faire. Parce que quelque part, c'est la société qui peut le dire s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord avec vous. Et il ne faut pas avoir un parti politique seulement. Parce que très souvent, on a regardé parti politique, on a regardé société politique, nous pas avoir société économique là. Et les gens qui ont des gros l'argent dans les et qui ont là d'ailleurs, c'est eux faire des faits. C'est eux couper racher. C'est eux dire qui ça pour faire. Et société civile là tout. Il n'est pas détaché de société politique et de société économique. Parce que son pays qui a une économie rachitique, rabougrie, son pays arriéré, son société de précarité. Ça fait même les gens qui sont en classe moyenne, ils ne peuvent pas faire 3 mois, ils ne peuvent pas travailler. Et ça fait parfois les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne finissent pas l'avoir. À 9h du soir, rencontre l'infini. Nous clairs sont ces débats. Demain matin, 6h du matin, on entend des gens dans la radio. On dit pourquoi ça, les gens ne peuvent pas aller. Sous ces gens qui sont dans les zombies, on dit que c'est les zombies. Parce que ça, les gens ne discutent pas, ils vont causer tête en bas. Ça lie les réunions finies à 9h, par contre, qui est-ce qui rencontre à 10h? Ou qui est-ce qui rencontre à 11h? Ou par contre, qui coûte fil, ou qui rencontre qui fait à 3h du matin? Il change sous. Moment arrivé pour nous avoir conviction, et moment arrivé pour nous dire, nous avons ambition politique, c'est vrai, nous avons intérêt personnel, c'est vrai. Mais il faut hiérarchiser la question d'intérêt. Ce qui est bien important, c'est intérêt pays, intérêt collectif, intérêt national. Ensuite, on garde intérêt parti, nous, intérêt organisation. Nous. Intérêt personnel, nous, c'est l'IC pour venir en dernier lieu. C'est parce que nous faisons des choses tête en bas en Haïti qui fait nous côté. Parce que
Lorsque vous avez un premier ministre, si vous avez une crise comme ça, c'est un parti politique qui a gommé ses candidats à la présidence. Vous attendez d'être invité G8, vous attendez G30 de jouer une invitation, vous attendez l'autre parti qui a une représentation dans le Parlement de jouer une invitation, ou bien ça, c'est un parti politique qui n'a pas une représentation, ou vous avez un invité ou tout? Non. Vous dites au premier ministre, là, si c'est quelques organisations dans la société civile, là, quelques organisations paysannes qui choisissent. Côté bagaille, ça a sorti. Qui est-ce qui finance, qui a financé, ou dans son sous-secteur, dans le secteur privé des affaires là? Mais côté parti politique, yo. Côté professionnel de la politique, yo là. Eh bien, mes amis, les gens qui font faire politique, c'est entrepreneur politique, yo, c'est eux pour faire politique. Les gens qui sont dans le secteur privé des affaires, secteur économique, c'est entrepreneur économique, il faut qu'ils restent dans le domaine. Yo. Les gens qui sont dans la société civile, il faut qu'ils restent dans le domaine, yo, mais il faut qu'ils travaillent ensemble. Parce que il y a une interrelation, oui, c'est vrai. Et il faut que nous chitons ensemble. C'est ce que nous disons nous-mêmes, si le président privé a été respecté d'être là, il t'a invité, malgré qu'on l'a pas bon. Mais il faut qu'il respecte le celui qui a fait. Il faut qu'il t'a invité société politique là. Il faut qu'il t'a invité société économique, parce que nous pas qu'à mettre dehors, non. Les gens qui ont fait business dans le pays, c'est pour créer un job. Il faut qu'il t'a invité société civile pour nous dire qui j'en a choisi, eh bien, premier ministre là, pour tout le bagage passer très bien. Et toute invitation que tu as placée, oui, ce soir, Pierre-Étienne. Non, son expérience qui gagne. Non, mais invitation. Parce que nous avons là, nous avons tout le monde qui a participé. Bon. Au contraire, même nous croyons que G8 a participé dans la présidence privée, président. Oui, mais nous te dit nous pas intéressés. Vous voulez nous prouver aucune invitation parce que rien. Président a rencontré, eh bien, une série de parlementaires. Parce que le parti politique au Cap Fechelbert, mais laissez le groupe parlementaire devant, si vous ne pouvez pas premier ministre, c'est pas premier ministre. Finalement, sous 8. Mais ça égale 2 gouttes à 50 centimes parce que parlementaire, tout, c'est nos partis politiques qui sont dit. Oui, il était rencontré chef de parti ou bien direction parti, mais c'est en Haïti nous. Mais lorsqu'il y a 8 noms qui sont listes ou présentés parlementaires, ou dit ou te retire 4 ça, parce que plus de monde demande pour 4 ça, vous gardez 4 là. Le doux président, il y a une là-dedans, il n'y a pas passé retiré, mais dans 3 l'autre, vous choisissez ce que vous voulez. Ça, vous devez retirer, c'est vous choisir. Tout le monde ne peut pas comprendre. Il dit là, tu as fait. Vous choisissez pour ne pas passer. Bien que il y a une qui déjà après l'archive marché l'archive nationale qui a fait papier ça veut dire tant qu'on est sans besoin ou attendre après ou faire provocation mais pour qui ça c'est pour pas gagner organiser élection le 24 avril non justificatif non, tout le monde dans l'école donc le premier ministre va passer non président choisi pour le pas passer et sous secteur privé qui derrière là qui a dépensé l'argent il y a l'autre sous secteur qui est en face les tout qui a dépensé l'argent qui pas d'accord pour monsieur passer. Maintenant qu'ils sont entrés, pendant que le président Matéli fait un rallye, au lieu d'entendre nous rapidement pour nous sortir de la crise, comment on fait dans le secteur privé des affaires pour ne pas connaître que les crises politiques, ça a un impact sur l'économie du pays. Pas de monde qui vient investir. Il y a un problème, d'ailleurs, qu'est-ce que l'État vide? Mais nous n'avons pas 86 millions de dollars américains pour payer Venezuela. Et nous, même dans le secteur privé, on a encouragé la crise pour l'envenimer. Et puis, la société civile a pris la donne. Et comme son société de précarité, même dans la société civile, regardez comment l'organisation a boumé. Parce que comme son société de précarité, l'homme dans le conseil électoral provisoire, le président Matéli était passé là, il a monté le bien haut, 240 000 gouttes, machine, chauffeur, sécurité. Ben, on a regardé nous-mêmes dans la classe politique là, qui a boumé, c'est vrai. Mais nous pas regardé le secteur privé, sous-secteur, il n'y a pas fonté tête entre eux, il a dépensé pour l'argent, parce qu'il a besoin de prendre contrôle de douane pour aéroport, pour faire des gars. Mais dans la société civile, là, vous n'avez pas levé l'autre frappe à tête tout, parce que chaque monde, c'est vous qui allez toucher 240 000 gouttes dans la CEPA, c'est vous pour les machines privées, chauffeurs sécurité. Finalement, il y a un problème dans le pays. Là. Son crise de l'État sur fond de crise sociétale, la société est malade dans tout compartiment, dans tout col. Il faut que nous fassions un pile effort pour que l'élite politique, l'élite économique et l'élite sociale du pays ressaisissent rapidement. Sinon, j'en ai dit en bon créole, pita pitris parce que pendant n'a goum entre nous pour nous défendre privilège notre intérêt personnel nous est-ce que ce qu'on ça cap passer dans le nord inondation c'est pas seulement au cap problème tout partout dans le nord est-ce que nous connaît dans le sud calé pral gen tête chaud parce que la ville de Kay pral inondé nous connait ça chaque année ça fait est-ce que nous connaît les la pluie a tomber là nous coucher la caille nous est-ce que nous ça cap passer cité soleil ça cap passer la saline ça cap passer matissan ça gen carrefour okay. Est-ce que nous connaît arcaille de blouse est-ce que nous connaît ça cap passer peuple là eh bien il est mal cité. Il y a un problème. Eh bon, faut pas oublier tabac, non, qui tout prend nous là. Là puis tomber sur lui tabac. Pendant peuple là un problème. Nous même n'a pas goumé pour nous défendre intérêt nous, c'est pas affaire pays n'a réglé et c'est ça qui fait pays a pas foncé. Si nous t'a pensé pays nous t'a suspendre goumé pour nous régler bagaille sérieux. Pasteur Jean-Savan John, ba nous conclusion.
Bon, conclusion, premièrement, nous croyons que... Qui ça peut faire tout, dis-nous, qui bon, côté vous doit aller, parce bon, que l'expérience ou... Je pense que c'est un appel, encore une fois, un appel à un esprit de dépassement et à un esprit qui est capable de prioriser l'intérêt de la nation, que l'intérêt personnel, que nous connaissons que l'idée est là quand même, mais au moins ce n'est pas qu'à en l'air. Il faut que c'est le pays qui bénéficie. Et appelle ça pour aller dans trois directions, et même quatre. Première direction, c'est palais national. Donc, pour le président Privert, ressaisir, comprendre la situation que liée et que pour ne pas porter fardeau et responsabilité devant l'histoire. Parce que l'histoire a jugé. Et il y a une opportunité que le gagne, que la nation l'emmène comme pilote. Donc, il faut que l'atterrit avion. Donc, mais nous croyons que la direction que le prend là a déjà montré que le prend le casser tête, il n'est pas qu'à arriver, il a dit, mener avion à terre, sain et sauf, ça veut dire les élections, il n'a pas parlé là. Donc il faut que le casser coupe là pour le comprendre et ouais que le besoin dialoguer, négocier et ouais comment nous sommes capables de prendre l'autre direction avec le pays. Deuxième, nous allons aller dans le palais législatif. Donc, pour nous dire, monsieur parlementaire, nous avons besoin de mettre plus d'importance à PIA qu'à intérêt individuel. Intérêt individuel, là, qu'il faut séduire par l'argent, par coup de com', et puis on va faire une décision qui va mener la nation en bien. Et donc, c'est pour analyser la situation et puis on prend des décisions sages qui pour permettre que vous soyez capable d'arriver à sauver et à la patrie. Et en ce sens, il y a besoin flexible pour discuter encore une fois et négocier avec le président. Troisième appel là, donc appel là fait à parti politique, yo, bien que et plus ou moins nos cadres écartés dans le processus là, mais quand même, nous sommes des acteurs importants et incontournables. Donc il faut que nous mettons tête ensemble, donc pour nous capables et adresser le problème non, et prendre responsabilité. J'en ai commencé à prendre depuis après les élections. Donc, pour nous capables d'arriver à éviter le pire que nous tous avons payé et l'histoire qui a jugé nous tous. Donc, si nous étions passifs, si nous ne prenons pas des positions fermes et prêtes pour nous capables réellement collaborer en vue de trouver une solution correcte. Et finalement, appel là, c'est la population. Donc, nous avons déjà ouais, fait preuve de patience. Donc, nous avons déjà fait preuve d'adi et de les résilience. Mais quand même, donc, nation, c'est que le besoin, prendre note de ce qui a passé et demander des comptes. De manière pour les gens qui ne sont pas sous main, pour les prendre main, et même la population en tout. Donc, en tant que chrétien, je crois en la valeur de la prière. Je crois que c'est le moment plus que jamais pour ne pas jamais suspendre ni décourager prier pour que bon Dieu, qui est un réservoir et une source de sagesse, qu'abaille tout le monde, sagesse nécessaire pour nous capables réellement faire encore une fois le saut historique que nous avons fait en 1803, donc en 1804 et dans d'autres moments critiques côté pays a été capable de sombrer et pour nous capable d'arriver à sauver pays a de une situation que nous croyons que nous toutes cavalguette l'épita et petite noyau prochaine génération qui reproche nous sinon pas monter à la hauteur et sinon pas prendre un esprit de dépassement pour nous capables de pas dire de croiser bras nous pour nous voir comment camion après le craser, comment chauffeur après le faire accident, comment ceci après le dire effondrer pour nous dire nous t'aurais ça. Mais qui est-ce qui effondre là? Si chauffeur a effondré, c'est que camion a tout passager. Donc il y a subi conséquences après le passé. Organisation Peuple Cap Lutter, professeur Sauveur Pierre-Étienne,
Qui dernier mot jusqu'à ce que nous recroisions encore? Eh bien, dernier mot, nous avons dit, son appel, on appelle nous dans ces élites pour nous dire, pour nous prendre conscience de la gravité de la situation. C'est vrai que si ce n'est pas cyclone, si ce n'est pas tremblement de terre, mais après ça qui passe le 12 janvier 2010, là, ça veut dire nous tous caprins. C'est vrai que nous-mêmes, nous sommes capables de manger, nous sommes capables d'aller à l'école, nous sommes capables de dormir, nous voyager. Mais là, nous sommes capables de passer dans le nord, au Cap-Haïtien, Limonade, Catimorin. Là, nous sommes capables de passer dans l'autre département au pied devant. Tant nous pour nous calmer, pour nous besoin de confisquer le pouvoir, et puis nous ne connaissons pas 5 copes dans la caisse de l'État, eh bien, quelques nous malhonnêtes, nous méchants, moment arrivé pour nous ressaisir, nous, pour nous suspendre de défendre l'intérêt personnel, nous, et pour nous penser à la majorité qui est mal citée, parce que là, il y a 3 500 000 personnes qui sont menacées par famine. Ça veut dire que si l'appui n'a pas tombé rapidement, c'est 5 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui le conseil, il n'est pas question de grand goût. Parce que si l'appui a tombé, il y a une chance là pour Mango, Feuille, Épinal, Yann Paillé, Maïvette, etc. Mais s'il n'a pas tombé, tout pas qu'on est, et l'aile tombé encore, c'est inondation, c'est tracas. Nous avons trop de tracas, trop de calamités pour nous chercher l'autre tracas maintenant encore nous, nous créer division, nous créer troubles politiques, nous créer instabilité politique. En nous saisir tête nous, parce que nous avons des challenges, nous avons des défis. Nous avons des pays comme la République Dominicaine, nous avons Trinidad, nous avons Jamaïque, nous avons tout le pays dans le Caraïbe, Cuba, il n'y a pas avancé sur nous là. D'ailleurs, nous avons Cuba qui font un rapprochement avec les États-Unis. Et bien, si nous ne prenons pas bien, nous avons Haïtiens et Haïtiens qui toujours traversé les frontières, ils toujours pris en terre. Or, un pays qui fait 1804, il n'est pas capable de condamner pour le peuple à vivre dans la malcité après une humiliation qu'ils ont. Le moment arrivé pour nous comporter en tant qu'élite et laisser l'élite, il faut avoir un rêve, il faut avoir une ambition. Ou il faut avoir une ambition personnelle, ou il faut avoir un rêve personnel pour faire mon petit tout. Mais il faut surtout avoir un rêve pour le pays. Pour avoir une ambition pour le pays, c'est ça qui fait de nous des élites. Sinon, c'est racketeigner, c'est malfaiteigner, nous pas élite. Merci en pile et nous tendez tout message en conclusion. Appel lancé à palais national, palais législatif, parti politique, population, peuple là et appel à élite là. Non pas monsieur Jean-Lucien Borges et ma petite professeur Sauva Pierre Etienne. Merci en pile et à la prochaine. Merci. Et pasteur Jean-Savane Jeune, à la prochaine. Merci. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous bon rendez-vous dans l'autre émission. Côté n'a privé, rêver bâti pays nous ensemble. C'est tout le monde qui la donne. Merci un peu. Autant mes pays de l'école. Chaque pays a un problème, pas yo. C'est toujours les appels et nous, toujours les appels.
fait une école.